Alors, ça va être un petit peu particulier. Je vais faire un stream de Hitman 2 en ASMR. J'espère que... J'espère que ça vous plaît. Alors, entrez. Vous imaginez un jour je vous fais ça? Alors, comme d'habitude, on est chauve. Attends, je vais faire défiler des petits post-it. J'arrête. Un jour, on fera un truc comme ça. Un jour, on va faire de l'ASMR pour un stream entier, pour une heure. Une heure, on va faire ça. Alors, attends, on a une cible fugitive, mais je crois qu'elle est pas encore là. Il va falloir attendre 16 heures. Ok, la cible fugitive arrive dans 16 heures. Alors, je vous propose de faire 16 heures de Hitman. Non, je rigole. Donc... Avant ça, on va se faire une petite destination quand même. Tout ça, on avait montré Hawks Bay, on avait fait Miami. Je crois qu'en fait, on avait montré plus ou moins toutes les maps de Hitman 2. C'était sur Hitman 1 qu'on n'avait pas tout montré. La dernière fois, on avait commencé Bangkok, mais ça s'était pas super bien passé. Et je l'avais un petit peu rushé. Alors, de différent de la dernière fois, c'est que je suis arrivé, j'ai la maîtrise 20 sur 20 sur Paris et 17 sur 20 sur Sapienza. Donc, j'ai pu débloquer 2-3 trucs. Notamment ce gun-là, un explosif télécommandé, je sais pas ce qu'il a de différent avec les autres, mais j'ai débloqué 2-3 armes quand même, il me semble. Ici, j'ai débloqué... Attends, non, c'est où j'ai débloqué ça? C'est ici? Il me semble que j'ai débloqué... Bah merde. Attends, il me semblait avoir débloqué un couteau spécial, non? Ah, voilà ça, la dague de l'amande noire. Et en gros, c'est une dague qui, en même temps, te permet de verser du poison. En fait, il y a une espèce de petit rangement pour foutre du poison mortel. Du coup, ça, c'est pas mal. Et tu sais quoi, vas-y, on va faire la mission à Bangkok. Ah, en plus, la cible fugitive sera à Bangkok, donc c'est pas mal. Mission Club 27. Ah oui, c'est ça qu'on va falloir faire aussi. Tu sais quoi? Ah ouais, non, je vais faire ça maintenant. Oh ouais. Oh putain, je suis trop malin. Donc en gros, ce qu'ils ont fait, c'est que t'as différentes campagnes pour Hitman. Donc t'as évidemment les campagnes du premier jeu, t'as les campagnes du deuxième jeu, t'as le prologue, c'est juste un entraînement sur deux maps. Et t'as une troisième campagne qu'ils ont rajoutée pour Hitman 1. Oui, Hitman 1, c'est Patient Zero. En gros, ça reprend des maps, ça les remixe un petit peu, ça change les cibles et ça te fait faire 2-3 maps, mais dans un contexte différent, dans une mission différente en fait. Et je trouve que c'est pas mal du tout. Et du coup, voilà, c'est cette map-là. Donc on a la map à Bangkok, on a la map à Sapienza, dans le Colorado et à Hokkaido. Et donc voilà, on a 4 maps à faire et je pense qu'on va faire la petite campagne Patient Zero ce soir. Hop, attends, je me casse toutes les vertèbres et puis on silence, d'accord? Allez, c'est Tipa. Patient Zero, I got some little shit on my face, and no one told me. Donc ça, c'est un petit peu le setup pété que j'utilise quand je commence une mission que je connais pas. Parce que de tout ce que j'ai là, y a rien qui peut être repéré pendant une fouille. Donc c'est complètement éclataxe. Mais déjà, on va changer de costume. Qu'est-ce qu'on met comme costume, les gars? Costume emblématique, on a un costume estival avec des jolis gants, un costume décontracté, équipement tactique. Je vous rappelle que ça va être à Bangkok. À Bangkok, où il fait à peu près 70 milliards de degrés avec une humidité ambiante qui dépasse les gogolplex. Ça veut dire qu'il se glisse tout ça dans l'urètre. Oui, ouais, le gun, la matraque, tout. Qu'est-ce qu'on prend comme costume pour Bangkok, les mecs? Le Requiem. Encore? Putain, mais qu'est-ce que vous avez avec le Requiem? C'est incroyable. Alors qu'on a une tenue de Captain Sport Extreme. Lynch, décontracté pour les ladyboys. Ah, tu veux qu'on nique des ladyboys? Tenue décontractée, tu crois qu'on va essayer de draguer des ladyboys? Floridienne. La Floridienne, elle est jolie, franchement. Tenue de photo. Photo? C'est quoi photo? Ah oui, lui. Non, non. On va pas aller à Bangkok et bien comme ça, ils vont nous traiter de racistes. Attends, vous en avez proposé quelques-unes. Clown. Donc en fait, vous êtes en train de tous me proposer des costumes différents, bande de gros bâtards. C'est n'importe quoi. Tu sais quoi? Vas-y, on va partir sur... Allez, tenue de Lynch. Allez, tenue de Lynch, c'est pas grave. En gun, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre en gun? Donc voilà, j'en ai quand même quelques-uns maintenant. Ils sont tous plus ou moins identiques. À part évidemment, par exemple, celui-là qui est automatique. Ceux-là, ils sont quasiment identiques. Ceux-là, ils ont des bonus de visée. Lycée A19, lycée A19, lisse noire, ils sont exactement pareils aussi.
Celui-là, il est pas mal du tout, mais je pense qu'on va prendre un Silver Baller normal. Le ICA 19 Lys, tu veux celui-là, là ? C'est vrai qu'il est beau. C'est vrai qu'ils sont beaux. Mais tu sais quoi, j'ai toujours préféré dans les guns quand il n'y avait pas de grip spécial. Je comprends l'utilité d'un grip, mais je préfère quand il n'y en a pas, moi. Ça, c'est plus raw, mais... Tu sais quoi, vas-y, pour faire plaisir à Scad, je vais prendre ça. Scad, qu'on n'a pas buté la dernière fois sur l'île de Haven, je vous rappelle. Il y avait Scad sur un canapé qui mangeait les chips devant son setup, mais on l'a même pas buté. Faudrait un Dark Gun qui donne la chiasse. Attends, il y en a déjà qui font vomir, c'est bon. Petit génocide pour le final avec Jean-Michel Jarre. Bien sûr, il y aura peut-être un petit génocide à la fin. On verra combien de temps ça va nous mettre pour finir patient zéro et on va faire ça. Le crochet, je le garde forcément parce que j'ai pas envie de paumer mon avancement. Ah, j'ai débloqué ça aussi, grenade vomitive. Une grenade qui fait vomir. Comme son nom l'indique, je pense que c'est pas mal. Donc tu sais quoi, on va prendre les pièces de performance pour l'instant. Ou alors, y a des trucs qui vous font plaisir là? Est-ce qu'il y a des trucs qui vous... À part Napoléon Bonaparte, est-ce qu'il y a des trucs qui vous plaisent là? Regarde, poison, il y a des seringues qui tuent, il y a des seringues qui font dormir, des seringues qui font chier mou, il y a des pièces de monnaie ou des leurres télécommandées, il y a des brouilleurs, il y a des téléphones qui font des flashbangs. Ouais, il y a un stylo explosif, ouais. Et littéralement, en fait, ce stylo explosif, tu le lances dans un mec, tac, ça se plante et tu le déclenches et le mec il pète. C'est littéralement ce que tu penses, ouais. Tu veux que je prenne un téléphone, Poléon? Ok, je vais prendre un téléphone et je vais essayer de l'utiliser. Je vais prendre le téléphone électrotrifiant et on va essayer de l'utiliser. On va foutre un objet de contrebande dans le point de retrait de l'agence aussi. On va prendre... Le truc, c'est que le Bartoli 12G là, le 12 gauge, on peut le cacher en fait. Je crois que c'est un des seuls fusils de chasse que tu mets pas dans ton dos, mais que tu peux cacher sur toi en fait. Ça va bartoler. je sais pas qu'est-ce qui nous manquait là. Il nous manque, tu sais quoi, je vais prendre un je vais prendre un flacon de poison mortel. On sait jamais, on peut peut-être utiliser ça. Allez, c'est type par jouer la source sédatif. Non, les flacons de poison, ce sera plus utile, je pense. Je vais essayer de... Donc cette fois-ci, je veux pas faire le truc genre je découvre en faisant des la mission sans faire d'intrigue. Je vais vous montrer directement les intrigues et ce sera plus simple, je pense. Y a pas de lépard. Non, y a pas de lépard, non. Yeah, I like to chillax in Thailand with my sunglasses on. Hey girl, what's up? My name Lynch. What up, nigga? I mean, what up, dude? Les bras du poteau. Mais ils sont secs, mais il est pas si musclé que ça, hein, tu noteras. Hein. Et c'est ça qui me fait rire, c'est qu'il est vraiment aux antipodes des gros héros de Vidia, des montagnes de muscles. C'est un mec, il est efficace. Il a littéralement le corps d'un mec qui est efficace, tu vois. What up, Chinese man? Ting tong ting tong. Donc voilà, ça c'est une de nos deux cibles. Donc le délire, c'est que lui et sa meuf, Oybek Nabazov et sa meuf là, la sœur Yul 12, ils sont en train de faire une espèce de colloque, sur le fait de crever, à quel point crever c'est cool. Et en fait, ils ont des liens avec un genre d'organisation qui veut faire péter une bombe biologique horrible. Et c'est plus ou moins des terroristes en fait. Donc c'est pour ça qu'on a été contractés pour les niquer. Le Bartoli, tu le charges au pruneau d'Agen, tu vises la bouche, comme ça les mecs ils vont devoir aller chier, tu peux les appeler avec ton téléphone pour les déconcentrer, comme ça ils sont mal à l'aise, et tu peux ouvrir la porte pour lui en mettre une dans la tête avec le lycée à 19. Et heureusement qu'on a SCAD en conseil tactique, parce que je sais pas ce qu'on foutrait, mec. Ting tong bling bang. Tu peux me filer ma clé et juste aller te faire enculer, s'il te plaît? Voilà. Welcome to the Himapan Hotel. Et vos gueules. Attends, je peux avoir un petit bon mec? Je peux prendre un bon mec là? Oh putain, je pensais que le bouton c'était pour prendre un bonbon, mec. Comparé à Absolution, là, il était fat. Dans Absolution, il était vraiment, vraiment ultra, ultra baraque. Je trouve que c'était pas forcément raccord avec le personnage non plus, mais écoute. Chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Elle va pas me suivre jusqu'à chez moi quand même, cette pute là. Casse-toi. Tiens, je rote. Ok, ce qu'on va faire... On va juste y aller de façon tranquille. On va se faire passer pour un mec, pour un client. Pour un Yankee, comme on dit.
J'adore la chanson. Je sais pas si vous entendez bien la chanson là. Attends, je vais monter un peu le son du jeu. Voilà. De temps en temps, on entend des notes de piano et je les trouve ultra stressantes. Et en fait, pour la mission, je trouve que c'est vraiment raccord. Ok, on va aller prendre notre poison. Hop, piqué. Le truc, c'est que qu'est-ce que j'ai? Poison consommé. Donc ça, c'est un objet illégal. Genre mon gun, c'est un objet illégal. STP quoi. Excuse-moi, je savais pas qu'on était en Europe. Shut your fucking mouth, you bitch. I don't wanna have a lovely day. I just wanna kill some motherfuckers. I'm gonna kill some motherfuckers. Allez, on va directement au coloc. Donc voilà, il a un genre de salon en fait. Où, regarde ses réflexions. Est-ce que c'est pas beau ces réflexions là? Je trouve que le jeu il est vraiment très joli en fait. Il est lisse. La DA elle est pas dégueu. Et je le trouve vraiment sympathique à regarder. Je trouve qu'il est vraiment pas moche. D'ailleurs c'est bon, j'ai pas d'image qui saute. Bonjour, bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Couteau chirurgical d'amputation. Ben je veux ça moi non? Therefore to understand how to live proper and full life, we must all complete the apprenticeship of death. D'accord, Oybek Nabazov. Qui a un accent, j'ai fait un accent indien alors qu'il a un nom ouzbek. J'ai pas, tu sais quoi, je vais faire des petites saves. Donc là, on a accès aux saves et tout. Je vais save scam un petit peu. J'aimerais bien quand même vous montrer l'aventure plus que galérer, tu vois. Ah oui, donc ça, c'est un couple. En gros, lui, il commence à douter de vouloir faire l'espèce de coloc à la con là. Et la meuf, elle est trop à fond dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les défoncer tous les deux. Ah, c'est bon, c'est bon. Non mais c'est bon, j'étais en train de chier, regarde. Pardon? Attends, pardon, attends. Non mais attends, mais on est où là? C'est quoi ça ce mec là? Je viens pisser, je me fais engueuler. Non, je crois pas, non. Je crois pas que ça va se passer comme ça, non. Par contre, la clé anglaise en plein milieu de la gueule, je sais pas comment le mec il fait pour être encore en vie, mais je vais prendre leurs deux cartes, voilà. Donc voilà, en gros, c'est la petite carte d'invitation au coloc. Donc on a nos deux cibles qui sont là, elles sont toutes les deux en haut. Réunies dans la mort, c'est beau. Oh, oh oui, c'est beau. Oh. Donc il me faudrait une tenue de... d'enculé, là. Une tenue comme eux, là. Comme lui, en fait. Tu me files ta tenue, connard. STP. Looks like that couple went cold. Off the grid. Tu crois que c'est ça qui manque à 47, c'est des one-liners. Looks like he won't be doing any workout soon. You fucking Chinese. Non, en fait, il est super offensif. Non, c'est pas restricted, c'est pas restricted. C'est qui lui? Attends, c'est un genre de... Oh, bien. Oh, oh, oh. Pardon. Oui, je m'en vais. Putain, ils m'ont fait peur, les cons. Oh, ils m'ont fait peur, les cons. Mec, ils m'ont sprinté dessus. C'est bon, je suis sorti, là. C'est bon. Putain, mais monsieur, j'étais pas tout seul. Lui, là, c'est... Le mec, il a traversé, tu sais, c'est comme les rideaux de perles qu'avait ta tata, tu sais, celle qui vit en région parisienne. Oh, barbe truc, rideau truc. Oh merde. Ah, ça m'éclate. Bon, et toi là? Oh merde, putain, t'es pas tout seul. Y'a rien eu. C'est rien ça. C'est rien. Chut. Oh merde, y'a un mec qui arrive. Oh mon dieu, y'a un mec qui a été assommé. Catastrophe, je vais aller prévenir les autres. Oh là, putain, merci l'intrusion ici. Oh merde. Y'a un mec. Le mec il lui a dit et pourquoi t'as pas de pantalon? Oh le mec, quel sens des priorités. Eh hey, mais ce mec a pas de pantalon. Bon, du coup, ça part déjà en banane.
Parce qu'en fait, je sais même pas à quoi il peut me servir cette tenue là. Je peux aller nulle part en fait. Attends, j'aimerais bien avoir ça là. Je peux avoir ça? Je peux avoir ça? S'il te plaît? Je peux avoir ça? Je peux avoir ça? Je peux avoir ça? Voilà, merci. Mort ou pas, c'est marqué dans la charte. L'abbaye de la grosse chartreuse. Alors attends, je vais essayer d'aller voir de l'autre côté parce que je crois qu'il y a des mecs qui ont des costumes intéressants de l'autre côté. Après, je sais pas pourquoi je m'emmerde trop à faire un genre de run où je bute personne. Je pourrais leur foutre des balles, hein, c'est pas trop ça le problème. Putain, y a elle en plus là. Je pourrais l'éclater là. Je pourrais la buter maintenant, mais ce serait pas très très intéressant, je pense. Ah, il est où, Oybeck? Oybeck, t'es là? Oybeck? Oybeck? Nine, Bobek. Cadeau? C'est quoi ça? Pourquoi il y a une valise ici? Y a quoi là-dedans? Y a que dalle en plus. Ça va, monsieur? Pourquoi vous avez cette coupe de cheveux? Monsieur, ça va? Oh, la coupe de merde! Vous avez besoin d'aide, peut-être? Y'a rien que je pourrais foutre, là? Eux deux, je pourrais leur foutre des balles, mais c'est pas très très intéressant. Est-ce qu'il y aurait pas un mec... Ah mais non, mais si, je peux passer là, en fait. Ah non. Chut. Là, les trois petites notes de piano, là, elles me terrifient. Je sais pas pourquoi, elles me mettent vraiment pas bien, quoi. Fais voir, y'a quoi de l'autre côté, là? La 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 la, moi aussi je cuisine. J'aime la cuisine, c'est ma passion. Des gens comme Joël Robuchon, ainsi que l'autre barbu qui engueule des gens à la télé. Tit tut tut. Tit tut tut. Là, je pourrais les foutre une bastos à la meuf. C'est quoi? Regarde. Tu vois un master assassin? Attention, master assassin. Hop, chat. We should check that. Ah. Non, viens checker toi-même. Viens checker toi-même. Tout le monde s'en bat les couilles de ma clé anglaise. Mec. Non, elle va venir. Est-ce qu'elle vient? Non, il y a une clé anglaise. Attention, regarde. Ouh, je suis là. Vous devriez venir voir. Moi, je serais vous, je viendrais voir. Tout le monde s'en bat les couilles de ma clé anglaise. Vraiment, oula. Je pourrais buter les deux maintenant, là. Avec mon gun, je suis sûr que je peux faire 4 kills d'un coup, là. Mais ce serait pas intéressant. Bon, faut vite que je trouve un autre costume. Où est-ce qu'il est, l'autre bolos? Putain, j'ai traversé le rideau. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il me reconnaît, lui? Ah oui, c'est parce que je bosse pas pour lui. Ok. Je comprends pas, il y avait pas un mec qui avait un costume avant? Ou alors c'est moi qui suis fou? Attends, peut-être que je peux m'infiltrer en haut. Je suis chauve. Alors. C'est bon. Bon, je vais essayer d'aller chercher dans une autre... Attends. Comment on peut put le chat maintenant? Mais comme d'habitude, dans les options, mec, hein. Dans les options, dans la petite molette, là. Bon, alors voyons voir. Faudrait que je trouve un moyen d'aller dans d'autres chambres. Oh, ah non, je sais. Je crois que j'ai trouvé, attends. Blip! Ici, c'est chez moi. Bah, il m'engueule, du coup, mais c'est vraiment chez moi, en fait. Je déconne pas. Est-ce qu'il y a... Oh, yes! Hop! Toum. Non, mais c'est rien! Je travaille ici! Je suis en train de nettoyer le balcon! Oh, j'adore! Oh, ça m'éclate! Ok. Mais j'arrive où là en fait? Ah, mais j'arrive dans la grande salle, c'est niqué en fait! Est-ce que je peux pas aller ailleurs? Oh putain, mais non, où est-ce que ça mène? Je comprends pas, c'est pas de bon sens. Fais voir. Ça, c'est ma chambre. Non, mais non, oui, c'est de la merde en fait. Nettoie les gouttières, tu seras crédible. C'est quoi ici? Bah merde. Non, mais ça sert à rien ce que j'ai fait en fait. Oh putain! Donc j'ai l'impression qu'il y a que deux points d'accès. C'est les deux escaliers en fait, c'est tout. Oh merde. C'est rien. Je suis là, j'ai le droit d'être là, hein. J'ai le droit d'être là, hein. Hein, n'importe quoi. Ok. On va faire ça à la brutasse, hein, tant pis, hein. Wait a minute. Man,
Non, ça y a pas de bruit, y a pas de bruit. S'il te plaît, ne te retourne pas. C'est tout ce que je te demande, c'est de ne pas te retourner, d'accord? Voilà. Tu restes bien dans ce sens-là. Voilà, impeccable. Est-ce que c'était pas trop stylé, n'empêche? Est-ce que ça c'était pas tendu du cul là? Pro Gamer Move. En vrai, c'est un truc qui est un petit peu pété dans le jeu. C'est dès que tu tires un coup de feu qui est avec un silencieux qui est assez puissant, les gens ils iront pas au coup de feu, ils iront à l'impact de balle. Et c'est ça qu'utilisent la plupart des mecs qui font les speedruns. Et j'avoue que c'est quand même surpété. Mais écoute, hein, c'est pas grave. Maintenant, le truc, c'est qu'il me faudrait une tenue, j'allais dire de hoplite, mais pas du tout. C'est pas ça qu'il me faut, connard. C'est une tenue, c'est un pyjama là. Il faut un pyjama Krishna. Là. Mission passed, respect plus. Oh là là, il me connaît. Si tu veux, tu peux venir. Attends, qu'est-ce que... Ah, j'ai un pistolet électrifiant, regarde. Ça alors ? Un téléphone ! Truc de fou ! Tu devrais le prendre, tu vois ? Command, j'ai trouvé un Samsung, c'est un S+, je peux ? Ouvre-le là. Salut Romtou, ça va mec ? I'm awesome. I came to play ! Tu vas le ramener ou pas ? Ah non, tu vas le garder pour toi, espèce de sale pute. Incroyable ça. Attends, il y en a un qui arrive, hein, c'est bon. Impeccable. Alors ça l'a pas... D'accord, ça l'a buté. ça l'a pas juste électrocuté, Mikao. Non. Ça l'a éclaté, le mec. Très bien. Et du coup, il n'y a pas de... Oh, c'est quoi ça? Ouh, et c'est quoi ça aussi, là? Saboté liquide retardateur de flamme. Manquant bouteille de vodka. Oh, poteau, il y a un truc à faire. Donc, en gros... Ce qui fait le gars, le poteau là, l'ouzbek, c'est que il a ses followers et il leur fait un genre de démonstration, n'ayez pas peur de la mort, nanana, et il se fout le feu en fait, et le feu prend pas. Et donc en fait, je pensais que c'était un truc genre il était legit un petit peu magique, tu vois, mais en fait non, c'est parce qu'il a un retardateur de feu. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver une bouteille de vodka dans le coin. Je crois qu'il y en a dans une chambre, une bouteille de vodka. Mais c'est bizarre qu'il n'y en ait pas au bar, surtout, en vrai. Et avec cette bouteille de vodka, on va pouvoir niquer le truc retardateur de feu, et le mec va prendre feu devant tout le monde, et je pense que ça peut être très très fun. Mais par contre, il faut juste que je trouve de la vodka. Vous n'aurez pas de la vodka, putain, mais c'est un bar. Comment il n'y a pas de bar, il n'y a pas de vodka dans un bar? Bon, je vais essayer d'aller voir en bas. Il y a le temps. Et j'ai absolument envie de faire ça, en fait. Ce sera pas un des streams de Hitman où on fout trop le bordel, là, j'avoue, j'ai envie de tester des trucs. Et puis comme c'est un petit peu mon stream aussi, j'avoue que bon... Ok, attends, là c'est un bar, ça. Be careful out there, you fucking Chinese! C'est quoi, ça? C'est une noix de coco. Allez, je prends. J'ai pas le droit d'être là? Bah allez, c'est bon, je suis un serveur, non? Où est-ce qu'elle pourrait être, la bouteille de vodka? Vous savez où c'est la vodka, vous? J'ai trouvé d'ailleurs un site récemment, une carte interactive de Hitman et Hitman 2, où tu peux trouver où sont tous les objets, en fait. J'ai pas envie de le faire là, mais ouais, tu peux voir, tu peux foutre des filtres, etc. Et c'est vachement utile, surtout quand tu fais des runs un peu spéciaux. Oh, c'est une bouteille de vodka, ça, non? Bouteille de vodka, tout. Je vais cramer un Thaïlandais. Toulou, au magasin. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu trouver au magasin. Mais cette bouteille de vodka là, je sais pas si t'as vu, elle avait des flammes dessus. Est-ce qu'on peut voir? Non, je peux pas la voir. Je crois que c'est dans... Inventaire, voilà. Mec, la bouteille de vodka, elle a des flammes dessus. C'est ma bouteille de vodka préférée au monde. Ok, alors voyons voir. Faut qu'on remonte. La vodka hot rod. La hot rod des vodkas. Il faut quoi avec une bouteille de vodka? Le cuistot, c'est au vin blanc qu'on cuisine. Mais mec, t'es déjà allé en Thaïlande? T'es déjà... C'est une bouteille Guy Fieri. Wow! Straight to Flavor Town. God damn! Ok. Donc maintenant, il faut qu'on remonte. Ok, tout le monde qui me connaît partout. On va s'infiltrer par ici. Hop. Ting 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 ting
Attendez. Ensuite, je vais manger sushi. Les sushis, c'est pas un truc thaïlandais. C'est très raciste. Hop, chef, un petit coup, on a fouef. Vas-y, je vais save maintenant. Ok, on va rentrer. Normalement, ils vont pas me demander à me fouiller. Looking sharp, my man. Ouais, voilà, il aurait fallu que je m'habille en membre de la secte et je me serais camouflé. En gros, il m'aurait accompagné un petit peu plus loin. Et on aurait fait un genre de rite initiatique à la con. C'est quoi, je vais aller planquer les extincteurs. Je vais les planquer tous les extincteurs, comme ça ils pourront pas l'éteindre, les mecs. Pas con, hein. Pas folle, l'arbitre. Hop. Mais qu'est-ce qu'il fait, le chauve? Il est même pas thaïlandais. Au beau gosse d'y avoir pensé. Ouais, mais en fait, le jeu est très très adaptable. Et je pense qu'il essaie d'émuler au maximum ce que pourrait être possible. Un assassinat, un accident ou un truc comme ça, tu vois. Et j'avoue que je m'impressionne un peu d'y avoir pensé aussi. Mais je sais pas si ça va suffire, hein, de juste les virer comme ça. Mais ça va juste au moins retarder l'échéance, quoi. Et c'est suffisant. Hop. Je suis tout émulé. Ah bah, je suis désolé, Romtou, je voulais pas te... Je voulais pas te déranger. Ok. Non, je peux pas juste cacher les trucs, hein. Pour avoir autant d'extincteurs, c'est qu'ils ont pas trop confiance dans leurs trucs, les mecs. Mais oui, en fait, c'est plus ou moins des charlatans. Et t'es pas censé... Ils laissent les extincteurs en vue. Mais avec normalement le retardataire, tu vois, justement, ils montrent que les extincteurs sont pas nécessaires. Mais c'est vrai que bon, on sait jamais. C'est comme un tour de magie, en fait. Ils font un peu gaffe. Je peux me mettre au milieu? Alors bonjour, je m'appelle 47. 600 de mon nom. Y a pas d'autre truc que je pourrais faire. Y a pas de... En fait, j'aurais bien voulu vraiment jeter les... C'est quoi ici? C'est joli ici. Ça crame vite un taille. Bah, c'est les épices, ça, mec, hein, t'y peux rien. Comment tu veux faire? Il y a une petite salle de bain ici. Une petite salle de bain. J'espère qu'ils auront pas de... d'extincteur sur eux. Ok, attends, il va rentrer, il va faire sa communion. Oh, putain, il me connaît, lui. C'est bon, il va où? Je vais me foutre derrière lui. Lui, il me connaît. Voilà. On va se foutre là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de faire un truc. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il fait, ce connard? Ah. There. And on with it. Ah. And we're good to go. Mais... And on with it. Donc voilà, c'est ça le truc avec Hitman. Tu te fais chier à faire un plan qui est millimétré. On va essayer de la tirer comme ça. Peut-être que ça va... Voilà, ça va le déranger un petit peu. Voilà. Tu peux aller à ton truc? Te retourne pas, va pas chercher le téléphone qui n'existe pas. Non, non, le téléphone n'existe pas. And we're good to go. Ah. There. And we're good to go. Ah. Putain. Mais y'a même pas téléphone, y'a rien. Y'a rien, il m'a pas de point de poutre là, putain. Mais et c'est super étrange, ça arrive pas ça d'habitude. J'ai tellement eu jamais de bug dans ce jeu. D'habitude l'IA elle répond bien, elle a ses spécificités, mais d'habitude elle répond super bien. Putain, mais qu'est-ce que t'as, espèce de sale trou du cul? Tiens, attends, est-ce qu'une noix de coco ça va le... Attention. What the fuck? Ça va? Tu me touches pas la bite. Oh putain, mais comment je vais faire? Comment je peux faire ça, putain? Et si je la tire peu à peu vers un autre endroit, regarde. Si je fais genre... Oh mon dieu, il y a eu un bruit ici, je comprends pas. Tel que je suis une IA, je vais aller voir. Oh putain, il a paniqué, le con. Tu me fais chier. Oh putain.
Ah, le bug coïncide vachement avec l'arrivée de Poods. Non mais oui, non mais gars. Oui, je vais avoir une nouvelle connexion, donc plus de problème, et maintenant c'est le jeu qui chie. Bah oui, mais c'est ta faute là, hein. Il chiait pas tout à l'heure, hein. Ah, oh, putain. Ah, oh, bah y'a un autre extincteur ici. Attends, est-ce que je peux pas la tirer avec un extincteur? Va voir, ici là, regarde. Oh mon dieu, y'a des bruits. Je serais toi, j'irai voir. Guess it's not my problem. Voilà. Non, 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 viens là, viens ici. Viens ici. Merde, putain, j'ai tiré un vrai coup de feu. Le con. J'avais pas du tout mon silencieux. Oh merde, oh le con. Bon, qu'est-ce que je peux bien foutre? Ça fait chier, il y avait un beau plan, il y aurait eu une belle exécution là, mais attends, c'est quand la dernière save? C'est quand je cherchais la vodka? Ouais, mais je l'avais déjà éclaté le mec. Oh putain. S'il te plaît, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose? Oh. Comment je peux faire? Viens voir. S'il te plaît, viens voir. Et ensuite, Oh mon dieu, regarde! Oh mon dieu! Un singe avec une noix de coco! S'il te plaît, viens, mec. Viens, poteau, fais pas le con. Putain, mais il panique! Et pourquoi tu paniques, espèce de connard? Attends, je vais te buter, toi et ta femme, et ensuite, ça va peut-être me détendre un petit peu. Salut les connards! Attention, je suis 47. Bip! Bap! Bip! Bap! Bip! Bap! Bap! Non, mais au bout d'un moment, mec, c'est une blague! T'as vu la précision quand même dans le geste, et c'était impressionnant, non? Ça, c'était John Wick, ça. Bah oui, enculé, je suis désolé, Redson. Merci beaucoup, mec, pour le resub. Bah les gars, je suis obligé de le buter comme ça, je suis désolé. Hein. Je voulais faire recharge plus loin, mais le problème c'est que j'ai pas de rechargement plus loin, j'ai lui quoi. Il va falloir que je retourne chercher la vodka. Je vais essayer, je vais retourner vite fait chercher la vodka. Je sais pas ce qui a bugué en fait, fais voir. Est-ce que... Ok, attends. On va retourner choper la vodka vite fait. On sait où elle est maintenant en plus. 47 c'est le nombre de victimes. Ouais, en une après-midi peut-être. Mais c'est pas tout, hein. Je te promets que c'est pas tout. C'était par là-bas dans le grand salon, je crois. Fallait aller là-bas, descendre. Retourne sur Goose Game. Non. Je crois que c'est ici. Voilà, c'était lui qui cuisinait à la vodka de Guy Fieri, là. Flavor Town. Bon, je comprends pas, ma vodka, elle a disparu. 47, c'est le degré d'alcool de la vodka. Littéralement, mais tu savais en fait. Tu savais que c'était littéralement ça en fait. Scad, ou c'était une blague. Salut Just Max. Just Max. Ça va? Ça va, Just Max? Comme tu le vois, Just Max, on est en train de. Pas qu'il me voit lui. Il faut absolument pas qu'il me voit parce qu'il me reconnaîtrait. Hello there, ma'am, my lady, tips fedora. Est-ce que tu peux tracer un petit peu, s'il te plaît? J'ai vraiment pas que ça à foutre. Voilà. Oh, fuck me. Mais non, mais 47. Un vrai connard de chat, quoi, c'est pas possible. Ok, donc, lui, attends, il passe par là, lui, là, ça va pas me plaire. Et lui, par contre, il va me casser les couilles combien de temps encore, là, voilà. On monte. On va voir si on peut pas essayer de retrouver le téléphone qui avait bugué tout à l'heure. J'espère que ça va pas le refaire. Si ça le refait, on va lui foutre une balle et puis tant pis, on se casse, hein. Quitte à faire... Ok, donc c'est ici qu'il a bugué. Le téléphone est pas là. Donc, je sais pas. On va essayer de faire une save là-dessus. Tranquille, et toi, bah, je vois ça. Bah, ouais, bah, évidemment, tu vois ça, mais tu comprends pas, toi. No one knows what it's like to be a bad man, to be a sad man, behind blue eyes. Ok. Hop. Le mec, il s'entraîne au lancer d'extincteur. T'inquiète pas, je vais être aux Olympiques de Corée ou je sais pas quoi. Non, c'est au Japon. Non, c'est où les prochains? Sa gueule. Pas. Non, je sais plus où c'est.
Ok, est-ce que tu penses que je peux les balancer? Genre, il n'y a pas une... Vas-y, on va tous les jeter ici, comme ça sera mieux. Sur le lit. Comme ça, il va se dire, waouh, vous m'avez tout attendu. Ça va être le feu ce soir. Ouh, merci Poléon. Popo, avec son petit resub nécessaire. Vous savez qu'à l'LMF, les gens de l'équipe, s'ils resubent pas, ils sont virés en fait. C'est pour ça, on resub en permanence, mais la plupart du temps, on n'a pas assez d'argent, donc on fait ce qu'on peut, tu vois. Merci Pop. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant, où est-ce qu'il est, Bip Boop là? Ah merde, c'est Lysander qui a offert en fait. Pardon, j'ai pas bien regardé. D'accord, oui, merci, merci Lysander. Merci Benoît. Bon, maintenant faut attendre. Hein. Ce qu'il faudrait qu'on fasse, ce serait buter Serial 12 maintenant. Parce qu'en gros, une fois que j'aurai claqué le mec, la Serial 12 elle va se barrer. Et c'est pas forcément super sympathique. De sa part, déjà. Est-ce que tu penses que je peux lui claquer une petite baloute ici, là? Il en faut peu pour être heureux. Bip, bap, bap. C'est pas ce que vous croyez. Oh, le timing. Le mec, littéralement, avec son gun devant tout le monde. Non, mais vous comprenez pas. Laissez-moi vous expliquer. Salut Slay. Bon attends, elle est où là? Elle est dans son burlingue? Peut-être que je peux la... Ouais ouais. Oh putain, vite 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 vite. Madame. Voilà, impeccable. Ok, ça c'est bon. C'est quoi? Ma clé anglaise. Il se moquait de moi avec ma clé anglaise. Hop 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 hop, on monte. Un petit massage de la C4. Je roule en Twingo, je suis désolé. Nouvelle génération. Ok. Ok, ça, il monte, il est en train de monter. Maintenant, il faut prier que personne... Attends, si je fais ça... Non, tout le monde s'en bat les couilles. Ça se trouve, je pourrais peut-être régler le problème en attirant un autre NPC ici. Un autre NPC va voir le bug, va être attiré par le bug, mais lui ne le sera pas. Faut voir. Si le bug se déclenche, c'est ça qui va pouvoir peut-être nous sauver. Là, je sais pas. Attends, je vais me cacher là. Qu'est-ce qu'il fait? S'il te plaît, bug pas. Pas de point d'interrogation. La putain de sa race, mais... There. And we're good to go. Ça te fait rien. Qu'est-ce que je pourrais foutre, putain, pour déclencher le truc? Non, il est clairement bugué de ouf, quoi. Je peux pas l'assommer. Je peux même pas le faire vomir. Non, mais je crois que je vais lui foutre. Non, mais je peux même pas le bousculer, mec. Je peux pas le bousculer. Il est en animation, du coup il va se concentrer uniquement sur son animation et c'est tout en fait. À part si peu à peu... Fais voir. Non, il a même pas entendu ce con là. C'est pas censé se passer, hein. Je suis désolé, c'est pas censé se passer comme ça. It was not supposed to be like that. Chut. Voilà, va là-bas. Et casse-toi pour toujours, je t'en supplie. Non, passe pas par là, s'il te plaît. Ah, putain! Et voilà. Et en plus, il fait... And here we go. Non, ouais, il va casser les couilles. Désolé, je pense que je vais devoir juste lui foutre une balle. Et je vais pas pouvoir vous montrer ça. Putain, ça fait chier. Non, mais c'est pas possible, quoi. Mec, c'est pas possible. Le jeu, il a jamais pété donc comme ça. Est-ce que tu penses qu'en relançant le jeu, peut-être... Si je relance le jeu, ça peut peut-être faire quelque chose. C'est vrai qu'en fait... Putain, ça me fait chier ce truc. Attends. Il a pas réagi. Ça bat les couilles. Hein. Putain, et maintenant... Et maintenant, il panique, mais c'est pas possible. Mettez-le à la pire cible du monde, toi, trou de balle. C'est incroyable. Flingue-le. Bah, je vais être obligé de le... Ouais, de le... Faire le dépôt de bilan avec le barbu, quoi. Oh, putain, mec, c'est dommage. On aurait eu une bonne exécution, là. Attends, et si je fais...
un petit coup de flingos. Tranquille comme ça. En fait, attends, on va le laisser bugger. On va le laisser bugger, regarde. Là, il va faire... Oh, un rien. Oh. Oh, de l'oxygène. Et normalement, il va venir ici et peut-être qu'il va être rappelé par son script, en fait. Vu que son script est juste à côté, peut-être que ça va permettre de... I guess it's not my problem, what the fuck. Non, non, s'il te plaît. Non. Mais putain. Eh, tu sais qui, tu sais c'est la faute de qui en plus ça? Est-ce que tu sais c'est la faute de qui? C'est à cause de Poléon qui voulait absolument voir le téléphone. Mais le téléphone il est buggé. Putain, bon bah écoute, vas-y casse-toi là. Allez, tu m'énerves. Allez hop, on se casse. Putain, c'est incroyable ça, Poléon. Bon allez, on se casse. Bon, on réutilise plus ce putain de téléphone à la con, hein. C'est bon, c'est mort maintenant. Hein. Mais Poléon. Ça fait chier, j'aurais recommencé la partie, ça aurait peut-être pu changer ça, mais ça me fait chier de recommencer toute la partie juste pour ça, donc je vais juste vous montrer. En fait, ce qui est le plus important dans cette campagne-là, c'est quand même la fin. La fin de la campagne qui est complètement insane. Donc, ouais, c'est dommage, mais tant pis, quoi. Débraque ton soufflant ou je te dévisse pour perpète. Attends, faudrait que je vais le passer. Attends, bouge pas. Comment il s'appelle déjà? Ça, là. Pas de bégonia pour le cave. Oh, mec, c'est génial. Cave, oh, ben toi alors! Attends, écoute ça, mec. Toi, donc pas que je t'ai dans la peau. Oui, et dans 5 minutes, c'est bien autre chose que tu pourrais avoir dans la peau. Vous idéalisez, monsieur le commissaire, c'est pas dans mes ambitions de finir au trou à Florida Rolls. Mais des poules, putain, on écoute un truc! La peau au Père Lachaise. Gobé pas dans la combine, monsieur le commissaire. Vous voyez bien qu'il pavoise, il fait dans le ludique. Toi, la môme qui ferait mieux de la fermer avant de l'ouvrir. Alors, monsieur le commissaire, je suis pas capable de. Oussi. Écoute. Les marouflards dans ton genre, je les crois capables de tout. Avec ta jactance, tu défroquerais un moine trappiste et tu convertirais une grenouille de bénitier au bouddhisme. Parce que c'est avec des excentriques de ton acabit qu'on déclenche les guerres civiles. Et qu'on est passé de l'âge du lance-pierre à la bombe atomique. Alors c'est peut-être temps de réviser ton Larousse, parce que moi j'appelle pas ça capable, mais responsable. Mec. Le débit de réplique, quoi. Ok, allez, on se casse. Merci beaucoup, Deadpool, merci beaucoup. 12 mois en plus, 12 mois d'abonnement, c'est important. Ah, attention. Voilà, donc maintenant qu'on a buté les deux frères mon cul là, ça a lancé un genre de fail safe, de message automatique, et donc c'est la merde. Voilà ce qu'il faut retenir de ça, c'est que c'est la merde. Cette imitation de Gabin est géniale. Toute la scène, la patte bégonia pour le cave, elle est impeccable. Il est mort! De quoi? Il a mis la clé sous la porte pour le dépôt de bilan. Ah, d'accord. Voilà, bon, par contre, rang de mission, 1 étoile, parce qu'on a fait n'importe quoi. Hein. Classons amis 1 sur 1, parce que bah, des amis, j'en ai pas. En tout cas, j'en ai pas qui jouent à Hitman. Et ça m'étonne, parce que normalement, j'en ai des potes qui jouent à Hitman, mais c'est bizarre. Alors, voyons voir. Continue l'histoire. Allez, normalement, il y a une petite cinématique, je crois. Non, je vais me faire foutre. Ouais, je vais me faire foutre, très bien. Ah non, il y a quand même un briefing. Ok. IOI presents a team entirely made out of women. Patient Zero. On peut être amis sur Hitman, mais non sur Steam, trou de balle. Il est con. Improvisation is part of the craft. Go on. When we eliminated the targets in Bangkok, it appears we misjudged what the cult was capable of. I misjudged it. This should be interesting. Yes, well. Voilà. I'm afraid eliminating Nabazov activated a ring of sleeper agents. My current theory is that the network signal spike in Bangkok was a go signal, something automated. A kill switch? Voilà, en gros, il y avait un kill switch et ça a activé plein de mecs partout, dont à Sapienza en Italie. C'est un genre de, comme on dit, de cellule dormante pour le culte. Et ils vont foutre la merde maintenant que les deux ont été claqués.
Et ouais, il est là le problème. Et voilà. On a bien merdé sur ce coup-là. Un dos dans le culte, bah oui, ce qui a dû marcher bien. Mais là pour l'instant, c'est pas trop évident que c'est la merde. Mais je fais surtout patience zéro pour vous montrer la dernière mission. Lui, il est bien, là, Brother Akram, il est Akram de morue, là, il est chaud. Hein. Cassandra Snow. You know nothing, Jon Snow, ya fucking cunt. Akram City, petit dab pour Poléon. Pourquoi c'est marqué first à côté de Poléon? Qu'est-ce qu'il a fait ce con? Attends, je veux voir. Fondateur, abonné depuis 14 mois. Fondateur? Fondateur de quoi? T'as rien fondé? T'as rien fondé, Poléon? Qu'est-ce que t'as fait encore? C'est incroyable, ça. Alors, quel costume pour... Italie, on est en Italie, c'est la nuit. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir foutre? Du coup, tu m'as donné envie d'y rejouer. Ben, je sais, ouais. Je sais. C'est vrai qu'à chaque fois que je stream Hitman, il y a souvent quelqu'un qui a envie d'y rejouer. Ou qui l'achète même, j'aime bien. Reaper, Tobias Reaper. Tu veux que je prenne Tobias Reaper? Allez, on prend Tobias Reaper pour Flamencus. J'osais pas demander, j'ai peur d'être en retard encore. Ouais, mais je sais pas ce que c'est, ce truc-là. Je vais prendre le Silver Baller. En fait, le problème, c'est que j'adore les armes du jeu, mais il n'y a pas de Hard Baller. Et j'aimerais bien qu'ils rajoutent des Hard Baller. Tu mets pas de silencieux, juste le canon super long. Est-ce que je peux trouver une photo de Hard Baller? Hard Baller Hitman. Est-ce que je l'ai, là? C'est pas vraiment cela, c'est des genres de Colt. Mais ils sont ultra longs et dans Contract, ils font envoler les gens, c'est génial. Mais là, on n'a pas accès à ça, donc on va reprendre encore un crochet, ce qui rendra tout le reste complètement pas nécessaire. Tu sais quoi? Non, je vais prendre... Voilà, l'ICA 19 chromé, il est encore plus beau. Je trouve que celui-là, c'est le plus beau gun. On n'a qu'un seul point de départ et en objet de contrebande, on a les égouts. Je sais pas très bien ce qu'on va pouvoir y foutre. Qu'est-ce que je pourrais demander dans les égouts? Petit poisson? Okay, une massue. Vas-y, on va demander une putain de Morgenstern. On sait jamais. Salut Onyxio, ça va mec ou quoi? Quoi de feneux, mon petit Onyxio? 47. Your next target is Poléon. Some fucking asshole. I've heard. Good evening, 47. Good evening, 47. Your primary target is at the book reading. I hope you're not jerking off. Across the Marina Square. No, I'm not. It is invitation only, so you I swear. Find another way to infiltrate. Okay. Intercepts indicate that the cult operative has already arrived. Furthermore, I expect them to meet at midnight. Listen for the church bells. Okay. Once the meeting is done, your primary target will attempt to depart. T'as vu le spawn qui a fait bugger les cordes devant? Ok, donc à minuit, ils doivent se retrouver les deux et s'échanger une arme bactériologique, mais pas tant qu'on sera là. Allez, c'est y pas. Bim, 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 bim. Faut qu'on aille chercher le frère Akra, là, Akra de Moru. Alors ce qu'on va faire, on va... est-ce que tu penses que je peux passer par là? Attends. Si je peux passer directement par là, ça pourrait nous faire gagner énormément de temps. Ici, là. Là, ce serait bien. Faut que personne me voie. Laisse-moi deviner, tu vas me péter les couilles, toi, c'est ça? Oh, putain, fais chier. Ah, putain. Ok, faut que je repasse derrière. C'est quoi le plot, du coup? C'est pas le jeu de base. Alors, le jeu de base, si, mais c'est une campagne supplémentaire de Hitman 2 qui s'appelle Patient Zero, où on apprend qu'un culte est en train de développer avec l'aide d'aide externe un genre d'ultra virus. Et là, on a fait déjà une première mission qui c'était juste de tuer les deux chefs du culte, frère mon cul et sœur grosse chatte. Et du coup, maintenant, là, on essaye de faire la suite. Bah, mais bâtard, elle est où? Et y avait pas de caméra ici avant. Oh la vache. Oh la vache, je m'en suis mis plein la gueule. Hop, on va passer par là-bas. Umbrella, bah plus ou moins Umbrella, ouais. Lui, il va pioncer, lui, c'est pas grave. Oh bah il ferme pas sa porte, ce con. Bah il est con, quoi. Ok. Ah mais c'est lui, dis donc, la caméra. T'as vu à quoi il joue?
Hitman Sniper Challenge. Avec les graphismes d'Absolution en plus. Ok. On va passer par là. Chut, putain la vache, ça fait du bruit l'espace. Je suis désolé madame. Je suis désolé mais vous auriez pas dû venir en fait. Votre problème il a été là. Attends, faut que je la planque. Voilà, elle se fout là. Impeccable. C'est Hoffman, il dort pas sur son lit. Il a un lit, Hoffman. Il est ça sent bourgeoise un peu. Hein. Attends, tu sais quoi? Parce que ça va me casser les couilles les caméras là. Voilà. Zip zap zo blip blop. Fucked up your shit. Voilà, je sais pas pourquoi il a un système de surveillance, l'autre con, dans sa chambre. Surtout que lui, il est juste censé être un... C'est un cuistot en fait. C'est un mec qui va se mettre à cuisiner pour les grands méchants. Est-ce que tu penses que je peux juste passer et buter la cible? Ça va être tendax un peu, hein. À part si... That is Brother Akron, your second target. He isn't particularly discreet. Excellent. I'll have a team ready to take possession of the weaponized virus as soon as you extract. Do be careful with it. Brother Akron eliminated. That's confirmed. Je sais pas s'ils vont m'engueuler s'ils me voient là en fait. Attends, je vais faire une petite save là. Et je vais voir si je peux sortir directement par là. Attention, je rentre pas là, 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 là. Si tu tires sur la cloche de l'église, les deux cibles vont se rencontrer. Oui, et puis tu peux, je sais pas si t'avais eu, mais tu peux te déguiser en frère Akram pour aller à la rencontre de l'autre. Est-ce que vous voulez que je fasse ça? Vous voulez que je me transforme en Brother Akram pour aller rencontrer l'autre fils de pute? Et comme ça, je le nique. Est-ce que vous voulez que je fasse ça? Ou alors que j'aille le défoncer sans changer de costume avec mon gun? Oui, vous voulez que je fasse ça? Ok. Bah je vais essayer, par contre ça va peut-être être un petit peu compliqué. Va falloir que je rush en fait. It's fine, it's fine, it's fine, it's fine. C'est quoi ça? Les cisales. Je prends les cisales. Quoi? J'ai rien fait moi. Attention, je passe, mais c'est vraiment pas contre vous les mecs. Là, 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 là. Chut. C'est rien, c'est rien, c'est rien. Ça va m'éclater ma note de fin, mais je m'en bats les couilles. Je fais ça pour vous les mecs, hein. J'espère quand même que c'est évident que je suis quelqu'un quand même de bon en fait. J'ai de la bonté en moi. Pourquoi pour tir? Je suis Tom Cruise. Bah vous allez rien voir les mecs, j'ai buté personne. Et vous allez certainement pas voir les grosses traces de sang du fait que j'ai tiré au calibre 45 dans la tête d'un mec. Putain, ils sont vénères pour rien les gars là. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez juste vu un chauve courir les mecs, hein. Je sais pas pourquoi vous êtes en train de paniquer. Peut-être parce qu'ils ont paumé frère Akram, remarque. Vas-y, on va voir. Est-ce que je peux sortir? Je peux transformer en frère Akram vite fait. Akram de morue. Ok, donc lui, il me connaît. Les autres me connaissent pas trop. Est-ce que je peux le confondre un petit peu, lui-là? Oh, Ali, une paire de ciseaux. Il va falloir que je me retourne. Tu peux te retourner, s'il te plaît? J'ai pas envie de te mettre une beigne dans ta grosse gueule. T'as vraiment une tête de singe, en plus. Ah, voilà. Va voir, va voir, va voir. Penche-toi. Hop. Oh, 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 oh. I am invincible. Yo soy el fantasma. I soy invisible. Ok. What the fuck? This is some shit. Du coup, ce qu'on va faire, on va save ici encore une fois. Tac. Et on va sonner la cloche à la main un petit peu. On va faire en sorte que personne nous voit. On se fout là. C'est la cloche ça? Quoi? Ah, il y avait plein de gens partout en fait. Excuse-moi. J'avais pas vu. C'est ma faute. Est-ce que t'as vu, n'empêche, à chaque fois que je me gourre et que je balance une balle dans un mec au hasard, tout le temps, 100% one shot. Bon, faut que je trouve un bon endroit pour tirer dans la cloche, moi. Je peux peut-être tirer du premier étage de là. Bonsoir. Psycho Mantis. Metal Gear. What the fuck? This is some gin.
Par là, je crois qu'il y a un... Toi, tu me saoules, toi. Lui, c'est un connard. Est-ce que tu penses que je peux tirer d'ici et que personne va me voir? Là, là, ici. C'est bon, non? Il va où, lui? Ça devrait aller. Merde, tout le monde me voit, là. Voilà. Bing, 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 bing. Comme les ennemis peuvent te voir dans le miroir, ils peuvent te voir sur son crâne. Je pense, ouais. Oh mon dieu, cet homme est lustré. Il est où le point de rendez-vous, par contre? Parce que je vais avoir l'air d'un con quand ils vont me dire... Bah il est où? J'espère que personne va me reconnaître, normalement non. Je sais pas s'ils vont me fouiller, par contre. Oh, s'ils me fouillent, c'est la merde. Il y a de fortes chances qu'ils me fouillent. J'ai l'impression que le lieu de rendez-vous a l'air d'être au fond du cimetière. On va aller voir. Ça. Le mafieux qui dit ça. Un rayon de soleil. Bonsoir. Oui, c'est moi, frère Akram, je suis un cultiste. J'aime le chaos ainsi que les chocs à pic. Et j'aime, en particulier, les menaces biologiques. La 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 la. Mais vous êtes pas censé être thaïlandais. Ah, de suite thaïlandais. Vous avez pas l'air. Je suis désolé, désolé de dire ça, mais vous avez pas l'air. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Déclencher une fuite d'huile, d'accord. La 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 la. Bonsoir, c'est moi, le terroriste. C'est moi le terrorisme. Ouh, merci Dwelly pour le... Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un ex-op. Merci Dwelly pour le resub, merci beaucoup mec. Follow me, please. Mais follow me où? Il va me follower où? Je sais pas du tout où il va me follower. J'ai aucune idée de ce que je fous en fait là. Ok, fake it till you make it. Fais voir, est-ce qu'il y a pas dans mes, dans mes renseignements quelque part Putain. Je sais pas où on doit aller mec. Ouais, 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 c'est pareil, moi mon gars, dès qu'il m'en a parlé, je me suis dit, pouah, vas-y, on va y aller de ouf. Calme-toi, calme-toi par contre, on va se détendre. On va aller parler là-dedans, d'accord? Pour faire le deal. Mais viens, viens, on va juste faire l'échange ici, d'accord? Mais si, c'est moi, regarde. C'est moi, je suis Akram. Jean-Michel Akram. Tu vous casses les couilles, toi. Non, attends, il y a un truc à faire. Mec, je sais pas où il faut aller. Je sais pas où il veut qu'on échange nos trucs. Et puis il y a plein de monde en plus, il y a deux gardes là. Je sais pas du tout où il veut qu'on aille. Fuck. Fuck. Follow moi. Quelqu'un sait où il se passe le lieu de rendez-vous? Est-ce que tu penses que c'est dans l'église? Attends, est-ce que c'est dans le briefing? Renseignement. Découverte. C'est la réunion. Assassinat. Dans la crypte, dans le cimetière. Putain, je sais pas, mec. Objectif. Je crois que c'est au point de rendez-vous. Ah, d'accord, merci, merci Scat. Donc faut que j'aille au point de rendez-vous, d'ac. Ça marche. Ça marche. Le point de rendez-vous, c'est dans cette petite cabane, d'accord? On dit ça? Je peux pas te buter facilement, toi? Attends, bouge pas. Ouais, ouais! Carrément pareil! Merde, c'est qui m'a vu? Putain, c'est toi qui m'a... T'es vraiment chiant, toi, hein. Merde. C'est con. Eh, franchement, mon idée était pas débile. Mon idée était pas débile, mais... En fait, c'est là le lieu de rendez-vous, mais vu qu'il tue, tu peux aller partout. Ok, bah, il va falloir que je m'écarte un peu plus. Est-ce que tu penses qu'on peut aller sur la plage, là? Non, on peut pas vraiment aller sur la plage. Ou alors, faut descendre, mais il va pas vouloir. Faudrait qu'on s'écarte un peu plus. Mon idée était pas conne. Je pense que si on vient ici... Ici, il y a moyen de le buter facilement sans qu'on voit, je pense. On va essayer de faire ça.
On va essayer de faire ça. Je peux pas avoir une arme... une pelle. Non, un truc qui bute d'un coup. Hop, on va aller les rencontrer avec ma pelle. Comme ça, on verra bien. C'est quoi ça là-bas? Il y a un truc qui brille. Ah, c'est un poste de radio, c'est de la merde. Ou un tournevis, y'a pas un tournevis? Un truc qui permet de faire tourner son vis? Hop, bouge pas. C'est quoi ça? Merci, une clé anglaise. Et ça, c'est des flacons de propane, hein, ça m'aide pas du tout ça. Bon, on va essayer de faire ça. Bonsoir, ignorez l'appel. Veuillez ne pas vous soustraire à l'attention de l'appel. Bonjour Craig Black. La la la, j'adore les cultistes. J'aime la fin du monde. La 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 la. T'inquiète pas, tout va bien. Tu peux accélérer un petit peu par contre, espèce de salon culé de fils de pute. Faut pas qu'il commence à se dire que c'est une emmerde à partir d'ici en fait. Voilà. Chut, bah, tout se passe bien. Il dit donnez-moi l'arme. Viens là. Oh putain, y'a l'autre con qui vient. Mais t'es qui toi? Je te la donne, regarde, je te la donne. T'as changé d'accent? T'es chiant. Tu me saoules. Vous me faites tous chier, tous. Littéralement. Putain, mais c'est pas possible. Y'a pas une mission qui peut bien se passer. Comment je vais pouvoir le ken? Comment je peux le ken, les mecs? Par où je peux aller pour avoir un petit peu de privacy? C'est lui qui me suit, là? C'est lui qui me suit, non? Attends. Je vais la reconnaître aux coiffures. Il y a lui, et j'ai l'impression que celui qui me suit, c'est lui, là. Le problème, c'est qu'il va pas se laisser faire, lui. C'est rien. Va voir, tu peux aller voir. Je pense que tu peux aller voir, ce sera pas de... C'est pas de bon sens. Fais voir. Va voir là-bas. Tu peux aller voir dans la tombe où j'ai jeté un truc, espèce de sale fils de pute. Je t'en supplie. Oh, je t'emmerde, vas-y. Tu me casses tous les couilles. Comment je peux faire? Oh, fais chier, dis. Tu crois que c'est où, lui? Tu penses que... Il vient où, lui, maintenant? Pourquoi il vient là, lui? Ouais, il y a un défi où tu dois le pousser dans la tombe. En tout cas, c'est dans le jeu original, mais je sais pas si c'est ici, vraiment. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Casse-toi, toi. Casse-toi. Il est chiant ce cimetière. Attends. Voyons voir. Brava. Hey brava. What's up brava? It is nearby. Ok. On va aller nearby. Est-ce que tu penses qu'on peut aller dans la petite cabane qu'il y a là? On va essayer d'aller dans cette petite cabane. Je pense qu'on serait à l'abri si on arrive à aller dans la petite cabane. Mais faut qu'il me suive dedans. Et je sais pas si je vais avoir assez de place pour qu'il me suive vraiment dans la cabane en fait. Vas-y, viens. Viens dans cette cabane. Avec moi. Viens. Voilà, viens là. Chut, voilà. Voilà, impeccable. Oh putain, ouais, impeccable. Oh, c'était Tandax, mon gars. Il y avait un mec qui regardait par la fenêtre, hein. Avec notre bol, il nous a pas vu, mais putain, c'était Tandax de ouf. Allez, on se casse. Oh. On va faire la petite mission au Colorado qui est bien plus sympathique. Eh putain, j'ai le cœur qui bat à 7 milliards de coups par seconde. Ça, c'est mon cœur. C'est un Addis Warthog. Allez, cassons-nous. Franchement, c'était au bord du cul. Le cœur, faut qu'il monte un rapport. Ah bah là, on est obligé au bout d'un moment. Voilà, fils aimant. Pourquoi fils aimant?
Pourquoi fils aimant et ça? Je les ai fait dans la mission d'avant? Attends, alors ça veut dire que... En gros, tu peux faire... T'es pas obligé de finir une mission correctement pour valider... Ça, c'est les défis, hein. C'est les défis que tu fais en jeu. Et en gros, t'es pas... Ça, c'est des trucs que j'avais tenté hier, dans ma partie d'hier. Et ça m'avait saoulé, en fait. J'avais pas fini, j'avais Alt-F4 en plein milieu de la mission. Ça veut dire que je les avais quand même validés. Et ceux que tu réussis pas pendant la mission sont validés dans la mission que tu finis après, en fait. Donc tu peux faire plein de défis dans une mission, même si tu merdes complètement. Quitter la mission, retourner pour faire une mission plus simple, et ça la validera, je pense. À partir du moment où c'est sur la même map. Ah ouais, donc c'est niqué, en fait. C'est complètement Kenny de la tête, d'accord. Eh bah écoute, tant mieux, hein. Allez, le vecteur. Dab. Faut que j'arrête de dabber. Allez, voyons voir. Vous regardez la mission et je vais chercher à boire. That's correct, 47. ICA Intel has just confirmed the exact coordinates of the US-bound signal from Navazov's dead man's trigger. It's remote. Sounds perfect. Quite. We've borrowed an NSA satellite, and so I'm looking at the location now. It appears to be some kind of paramilitary compound, but Intel is limited. However, okay, we do have a positive ID on another of Navazov's... Ça vous dit une petite mandarine, les mecs? A medical doctor with a live sample of the Nabazov. Je te renie, Russienne. Mais quoi? T'es pas les... Oh putain, ça sent bon, ça sent Noël. Or an act of desperation. We cannot allow this to spread for. Les renies, c'est pour le mal de gorge. Les renies sans sucre. Ok. Donc en gros, bah voilà. Mec, par contre, c'est complètement... comment il s'appelle? Le bouffon vert, là. Willem Dafoe. Quand tu le regardes, c'est Willem Dafoe de ouf. Foutez une mandarine dans le nez. Franchement, je peux foutre deux petits quartiers dans le nez au pire. Ça, je peux, tu vois. Ça, j'ai pas peur. To remove the risk of exposure to the virus, we're recommending you go long range for this one. I will be providing intel upon touchdown, identifying targets for you once you've set up your... Voilà, donc en gros, ça c'est un petit peu le début de leur comment on appelle ça, du mode sniper challenge qu'ils ont sorti donc il y a pas longtemps. Et attends, je mange un petit bout de mandarine. Ah, ça pique. Ah. C'est Projared. Oh, c'est Projared. Ok. Donc, lui, il faut le buter. Mais dans le virus de Nabazov, donc du hippie qu'on a buté au début, a déjà commencé à infecter quelques mercenaires. Mais on ne sait pas encore qui. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va snipe, on a une cible déjà qu'il faut qu'on snipe, et ensuite on aura d'autres cibles à buter, mais on sait pas encore qui c'est, donc il va falloir qu'on... Elle va nous dire, regardez à côté de là-bas, c'est un mec qui boite, il fait beaucoup de sport, donc ça se trouve ça peut être lui, tu vois. Ok, donc avant ça, il faut qu'on bute lui. Ok. Donc, la cible a un casier judiciaire, explosif et banque. Ok. Donc, ici, c'est le truc des explosifs. Archivage de données, mais rien de numérique. Ok, donc ça va pas être lui, parce que lui, il est en train de gérer une base de données sur PC. Ça, c'était une meuf, je crois, non? Ah, c'est peut-être lui. Il est blanc ou pas? Ah, il est en train de bosser avec ça. Et donc ça doit être lui, je pense. En gros, lui, il bosse avec les bases de données, il bosse avec le coffre, donc j'imagine que la cible, c'est lui. Il va falloir que je le bute quand il passe devant un tas de merde. Ou même, regarde, on peut attendre un petit peu, regarde, attention. Tac, bip, bap, caché. Voilà. Donc ça, c'est bon. On va attendre la prochaine cible, en attendant que lui soit actif. Dans les serres, alors les serres, c'est ici, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Sensation de froid. Chercher quelqu'un qui essaie de se réchauffer. Voyons voir. Donc dans les serres. T'es dans les serres, toi? T'as froid ou pas, toi? Non, il a pas l'air d'avoir froid. Y'a qui a froid, là? Toi, t'as froid? Pas froid, toi?
Ah, si, il est à la cuisine. Faut trouver quelqu'un qui a froid dans la cuisine. Dans la serre, frigorifié et fait la cuisine. T'as froid, toi, ou quoi? T'as peur d'avoir froid, toi? Est-ce que toi, t'as froid? Fais voir, est-ce que t'as froid? Monte voir si t'as froid. Attends, Diana, tu vas te calmer 2 minutes. T'as froid ou pas? Putain, j'arrive pas à savoir s'il a froid. Pensez qu'il a froid ou pas? Qui c'est qui a froid sur les deux, là? Sur les deux, faut regarder celui qui a le plus froid. Ça tient un peu de choses, quand même. Hein. Fais voir. Putain, je sais pas lequel ça peut être. Je crois que c'est lui plus. Mais je suis pas certain. Fais voir. Ouais, c'est lui, il a froid. Il a froid de ouf. Va voir là. Oh bah merde, un bruit d'impact de balle. Il faut que j'aille m'assurer que ce n'est pas quelque chose qui pourrait atteindre ma vie privée. Hop. On va aller foutre une petite balotte dans la C6. Tac, hop, cacher dans le buisson. Ouais, c'est bon. Impeccable. J'ai mérité un petit bout de mandarine pour la fête. Attention, putain, mais c'est chiant. Ok, garage. Réparation de véhicule. Ok, c'est un des mecs là. Peut-être lui. Peut-être le black là. Il est en train de manger. Diana t'a décrivé la cible que tu devais éliminer au sniper, je pense que c'est une référence à ça. Ah! Narcolepsie? Un mec qui pionce? Faut trouver un mec narcolepsie symptomatique. Heureusement qu'ils ont tous des tares, hein. Est-ce que c'est lui? C'est lui qui va pioncer. Lui, il va pioncer là. Tu vas pioncer toi, hein. Fais voir, est-ce qu'il pionce? Attention. Attention. Allez hop, casse-toi. Blip. Voilà. Impeccable. Ok. Chantier. Voyons voir. A demandé un fusil d'assaut et plusieurs centaines de munitions. T'as un fusil d'assaut toi? Ouais, c'est un SMG, je sais pas si c'est un fusil d'assaut. Lui il est en train de glander. Lui il boite, oh lui il boite, c'est peut-être ça. Peut-être un signe ça. Voilà, il boite, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Va falloir qu'on attende qu'il passe quelque part. À côté d'un tas de merde. Pour... Attends, je vais essayer de tirer là. Voilà. Il va aller voir. Et on va pouvoir lui tirer dedans directement dans le tas de merde. Ah bah il boit beaucoup moins d'un coup là. Bip, bap, bap. Voilà. Impeccable. Et maintenant Bradley Payne, il est où? Il est là. On va tirer ici. Bap. Va voir. Oh mais dis donc, je comprends pas. C'est comme s'il est... L'herbe est fait du bruit. Voilà, impeccable. Et bah... Impeccable, eh. Sans accro, poteau. Je crois que je suis trop bon. Ah, ça pique. Ah, les mandarines, elles piquent. C'est bon, mais ça pique. Ah. Ah, ça me fait faire des putains de grimaces depuis tout à l'heure. Ok. Alors. On a gagné un explosif C10. C10, ça doit être 2,5 fois plus puissant que le C4. Donc voilà, ça c'est la dernière partie de Patience Zéro. Et c'est la partie la plus cool, je crois. Enfin, selon moi. Les tas de foin, ça mange les gens dans Hitman. Bah, si vous voulez, je pourrais vous montrer les maps de Sniper après. Elles sont assez intéressantes. Et en effet, tu vas voir que les tas de neige aussi, ça avale les gens sans vergogne. Alors voyons voir. On va prendre un gun cool. Quel gun vous plaît? À part celui-là et celui-là. Et celui-là et celui-là et celui-là. Lequel vous plaît dans les flingues silencieux? Lequel vous attire le plus l'œil? Entre le HWK-21 camouflage, le ICA-19 chrome, ICA-19, le lisse noir, le FA furtif, Silverballer ou Silverballer Mark II, chrome, ICA-19 furtif. Celui-là. Camouflage. Celui-là. De quoi tu parles, Jean-Jean? Camouflage. Silver. Donc ça se joue entre celui-là
celui-là et celui-là. Ok, je prends le camouflage alors. Je vous suis, je prends le camouflage. Ce que je vais prendre aussi, c'est un brouilleur à usage unique, ainsi que des crochets. Ouais, ça va toujours être utile. Toujours en infiltration sous l'héliport, dans le garage. Je vais mettre un fusil d'assaut pour foutre la merde. Ou un fusil à pompe? Non, un fusil d'assaut. Quoique je sais pas. Hein. Vas-y, fusil d'assaut. On va se foutre un petit fusil d'assaut. On va foutre... Je crois que celui-là était pas mal. On avait déjà buté plein de gens avec... avec celui-là dans la banque. Je crois qu'il est pas mal du tout. Hein. Vas-y, on va prendre... Non, pas celui-là. Putain, pas possible. Putain, voilà. Voilà. Quel gamin ce 47. Oui, j'ai des boules de neige. Mais mec, j'ai plein de trucs. J'ai des boules de neige. J'ai... un poisson, des écouteurs trop stylés intra-auriculaires, des valises de gros kekos, j'ai des canards en plastique, j'ai Napoléon qui explose en stylo explosif, enfin, c'est vraiment, c'est double zéro quoi, vraiment. Allez, c'est chippard. Faut buter Owen Cage et Klaus Leiblit. Ah, ich bin Klaus Leiblit, et ich lebe deine große Medizin. Owen Cage is currently held in isolation, voilà, in a heavily alors, quarantined area of the hospital. He seems to be in the late stages of the infection. Voilà, donc Owen Cage, je crois que c'est ça son nom. C'est le patient zéro, je crois que c'est lui vraiment le patient zéro. Et c'est lui qui est au stade le plus avancé du pathogène. Voilà. The virus is fucked. It cannot be allowed to escape the facility. Voilà. Proceed with caution. Ah, ça va être un petit peu tendax. En fait, cette partie du jeu est un peu tendax. Parce qu'il s'agit de... Ouh, par là, ça peut être pas mal ça. Ça peut être pas mal. Si jamais je peux m'infiltrer par là. Merde, on n'a pas vu le briefing. Bah oui, c'est vrai. Ah, le con. Est-ce que je peux montrer? Voilà. Excuse-moi. Merci beaucoup, Martin. J'ai failli le skip. Excusez-moi. As always. Well, as you've guessed, you're en route to Japan. We've intercepted a memo indicating that local authorities have detained a man suspected of carrying an infectious disease. Ouais, voilà, ça pue, mec. Il a chopé le guet. C'est le patient zéro du guet. Yes, but even better. We believe this man is the one responsible for the development of the virus itself. His last known whereabouts match the final set of coordinates set by Nabazov's dead man's trigger. It appears he was headed for Sydney, Australia, but his arrest put a stop to that. That was fortunate. Luck has little to do with it. Passengers noticed him performing some sort of religious... Mon gars, le mec, il fait un rituel religieux dans une... dans son aéroport. Oh, le gros problématique. Voilà. You have two targets. First, Owen Cage, the rogue viral researcher responsible for the weaponization of the Nabazov virus. Cage was moved to the Hokkaido. Oh là, le mec, il s'est une biscotte, regarde-le. Il tient pas debout, le pauvre garçon. Intending to become patient zero. Patient zero. Ils ont kidnappé Freddie Mercury, il est pas mort. Maman. An Ether Corporation scientist to extract as much information. I don't wanna die. Or maybe I do. We cannot allow Ether to succeed in reverse engineering the virus and profiting from it. Voilà, impeccable. Contain the virus by eliminating Cage and Leiblit. Leiblit. The Nabazov virus must be destroyed. We must contain it here, no matter the cost. I'll leave you to prepare. Voilà, allez, c'est parti, mon gars. Donc, est-ce que... Voilà, je peux directement passer par ça. Non, rentre. Ça va être un petit peu chaud ici. Quoique... Ne me vois pas, je ne suis pas là. Je ne suis pas là, Chinese boy. Na 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 na. He's my Japanese boy. Qu'est-ce que je peux faire? Attends, parce qu'il va falloir que je trouve un moyen. Kira Isetedo. Faut que je trouve un moyen d'attirer l'attention ici. Mais l'autre là, il me regarde. Et l'autre là, il, je sais pas, il est en train d'être KO devant ça. C'est quoi? Ouais, et technique. Wouah, putain, il y en a un autre qui vient de rentrer.
Quoi, tu me vois? Non, tu me vois pas. Voilà. Ok. 47, listen. I've registered another infected patient. Il y a un autre patient infecté. Alors ça, c'est, ça commence à être la merde. Voilà. I've shared the data with you. Là, ça commence à être legit la merde. Il va falloir qu'on fasse vite. C'est ça le truc, il faut faire très très vite pour ce truc. Voilà, infecté, il y en a déjà 4. Voilà. Et le problème, il est là, mec. Le problème, il est là, mec. Qu'est-ce toi? Toi, t'as un nez à chercher des truffes, toi. Hop, et excuse-moi, je passe, je suis en toi. Oh, excuse-moi. Personne m'a entendu? Ah bah si. Eh, hey, y'a un mec qui s'est évanoui, mec, c'est vraiment la merde. Excuse-moi, voilà. Oh merde. Non, excusez-moi les gars. Excusez-moi. Merde, c'est pas grave, on recommence la mission, c'est pas grave. Je m'y suis mal mis. Donc ouais, en gros, il faut être très très rapide. Il va falloir que je trouve un moyen très très vite de m'approprier un déguisement. Je sais pas trop où. Et en plus, les mecs, la cible là, il est hautement contagieux. Donc ça aussi, c'est un problème. Oh, c'est très bon ça. Oh, d'assist féricoute. Oh putain, ça c'est super bon pour moi ça. Ça c'est de la manne tombée du ciel ça, mon gars. Ça c'est de la manne. Oh yes. Il a une grosse chanceux. Voilà. Allez, laisse-moi tranquille. Hop. Allez, on trace. Faut qu'on aille en bas. Le problème, c'est qu'il faut aussi qu'on trouve une tenue hazmat. Parce que si on se rapproche trop du patient zéro, on va contracter la maladie. Et personne veut ça. Donc, voilà, on va essayer d'y aller. Faut qu'on trouve une petite hazmat. Pépouze. Zone hostile. Attends. Je peux pas. Non, putain, je peux rien faire. Peut-être qu'il a entendu un peu celui-là. Ouais, non, il l'a entendu. Non, c'est ça. J'ai été con. En gros, quand t'es trop près, évidemment, ils entendent le silencieux. C'est quand t'es un petit peu loin. J'aurais dû mieux gérer. C'est ma faute. T'inquiète, on va pouvoir le niquer. On va pouvoir le niquer, lui. C'est en gros, il passe là. Voilà. Regarde. Oh merde. Non, c'est bon, il me reconnaît pas, elle. Ah, mais elle va faire chier, elle. Putain, machine, t'es chiante. Bon, écoute. Au grand mot, les grands mots. Voilà. Ta gueule. Voilà. Ta gueule. Oh. Ah, tenue hazmat. Ok. On est pas mal. Voilà, ce qui commence à y avoir un infecté supplémentaire. Donc il faut que je commence à me bouger un petit peu le boule. Voilà, c'est pas grave s'il les retrouve. Oh putain, il est juste là. Le problème, c'est que... Oh merde. Qui c'est qui a vu ça? Oh, c'est lui. Putain, il y avait une tenue hazmat ici, en plus j'ai pas vu. Quel con. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je la prends ici, la tenue hazmat? Franchement, au pire, non. C'est rien. Vous n'avez rien vu. Vous êtes tous aveugles à la révolution du monde. Ok. Petite save, tranquillos. Voilà. Excuse-moi. Tu peux venir voir un truc ici, mec? Est-ce que tu peux venir voir un truc ici? Putain, ça commence à être infecté de ouf. Viens vite. Je t'en supplie. Ferme ta gueule. Wouah! Comment il y a trop de monde? Il est toujours là, Clive Owen là? Oh putain, il y a les deux d'un coup, je peux me faire les deux d'un coup. Allez hop, goodbye, farewell. Oh. Impeccable. Ok. Donc les cibles primaires, elles sont bonnes. Par contre, le virus est toujours actif. Et là, j'ai pas trop le choix là. Il va falloir que j'accélère un petit peu le mouvement. Mais pour accélérer le mouvement, il va falloir que... Attends, putain, non, faut que je remonte. C'est par où? Putain, faut que je sorte par là-bas. C'est la merde. 129, what the fuck, some niggas that. Bonsoir, je suis sciences physique. j'ai fait MPI et maths. J'ai fait SPMAT, c'est bon, je peux passer. Ok. Il est là, mon gun. Putain, où est-ce qu'ils m'ont foutu, mon gun? Oh fuck, je vais avoir besoin d'un gun.
Oh putain, il y a 6 infectés, c'est chaud. Oh, c'est chaud, mec. Ok, attends, attends. Tant pis, je vais laisser tomber le gun, on va se démerder autrement. Oh là là, tout le monde est niqué. Excuse-moi, madame. Voilà. Oh, pardon, madame. C'est, je voulais pas vous... Merde. Y a pas le choix là, il faut commencer à claquer tout le monde là. Et pour une fois, c'est pas moi qui commence le bordel, c'est juste qu'ils sont tous infectés là. Oh putain, c'est la merde. Ok. Voilà. Oh putain, ça s'infecte partout, c'est la merde. Ok, on redescend. Oh merde. Lui, il commence à avoir mal au crâne. Attends, j'arrive. T'as mal au crâne? Tiens, prends un aspégique. Oh merde, faut pas que je rigole. Oui, bonsoir. Oh, massacre. Ok. Oh putain, ils sont tous en train d'attraper le gay un par un. Oh fuck, y'a tout le monde ici. Heureusement qu'on a pris un gun avec plein de balles, hein. Bon, lui, c'était un peu gratuit. Voilà. Mais il va tuer tout le monde. Ah putain, mec, j'ai viens d'en buter 7 et il y en a encore 7 nouveaux. Là, je suis désolé, c'est pas moi. Hein. Oh. Attends, faut que je commence à prendre des guns parce que j'ai peur de commencer à être ric-rac niveau munitions. Ouais, 8. Non, je crois qu'en fait, c'est... Je vous avoue que j'ai déjà fait la mission. Dans ma partie à moi, j'ai pas réussi à faire en sorte qu'il y ait moins de victimes que ça, en fait. C'est toujours la merde. C'est toujours vraiment la merde. Oh là 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 là. Allez, je remonte. Ça a fini en orgie comme le sirop. Le bon sirop d'orgie, mon gars, j'avoue que je te le conseille pas forcément à toutes les occasions. Ok. Alors, ils sont où? Oh là 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 là, il y en a 11. Il y a 11. C'est le moment vraiment Umbrella, quoi. Même le moment Black Mesa. T'es la troupe qui est chargée de nettoyer Black Mesa, quoi. J'ai réussi à le louper. J'ai loupé beaucoup trop de fois. Lui, c'est pareil, il a vu mon visage. Ok. Il en reste encore 8. Ils sont tous en bas. Par contre, ils vont commencer à me chercher un petit peu, là. Ok. Oh putain, t'entends le petit bruit là? Le petit plip. Ça veut, tu sais quoi? Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est la merde. Et le truc c'est qu'en plus je peux même pas changer de déguisement. Voilà. Je peux même pas changer de déguisement parce que si je vire ma combinaison hazmat, je vais être infecté. Après lui je peux lui mettre une baigne. Voilà. Ferme ta gueule le chinois. Voilà. Impeccable. Est-ce que je peux me barrer par là? Il a une mitrailleuse lui, non? Non, il avait un gun, ok. Mais qui commence à poser des questions qui fâchent. Attends, il avait pas une mitrailleuse lui? C'est où? Ah, c'est là, ok. En plus, avec la traque qui est terrifiante. Putain, je sais plus comment on se barre d'ici. Bonsoir, funérailles, c'est la merde. Non, funérailles, en vrai, la funérailles, c'est vraiment la merde. Désolé, hein. Voilà, vos gueules. Ça c'est bon, au pire s'il se fait réveiller, tant pis. Oh, y'a du monde, faut que je descende là. Faut que je descende, et tu sais quoi, si je descends, il vaut mieux y aller à fond. On va descendre là, en plus c'est que... Là c'est que du staff. Ces mecs là, c'est... Ah bah non. C'est bon, eux ils sont pas hostiles pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, hein, parce que... Ok, file-moi ça, vite. Ok. Rends-moi ça, mec. Oh, le bad. Et voilà comment se termine Patient Zéro. Avec toi qui marche dans les couloirs et qui cherche des cibles. Ça fait un peu plus John Wick, tu trouves?
Ah mais attends, il m'a tiré dessus à travers le mur, l'enculé. Moi je trouve que ça fait un peu plus Half-Life 2, mais enfin Half-Life 1 même. Oh merde. Je lui ai tiré dans les couilles, c'est vraiment pas fait exprès, je suis désolé. Faut pas que je meure maintenant par contre, je vais essayer de me planquer un petit peu. Essayer de rester rester tranquille. Ouh 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 ouh. En plus ils sont infectés les deux là. Est-ce que t'entends tous les plip-plip là? Est-ce que tu les entends tous les plip-plip? Tu sais ce que ça veut dire tous ces plip-plip? Ça veut dire que c'est la merde les plip-plip. C'est les plip-plip du Shaitan. Ah excuse-moi. Je suis désolé tout le monde hein. Oh là 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 là. Le truc c'est que peu à peu, je sais même pas si c'est possible de pas avoir de grosses contagions comme ça en fait. Dans cette mission. Toi je te tue juste pour le plaisir. Pour le plaisir. Là pour le coup j'avoue que le jeu il pousse au massacre. C'est pas forcément de... C'est pas forcément par sadisme. C'est par nécessité. Non t'envoieras pas ta grenade. Si tu l'as envoyé? Non tu l'as pas envoyé. Elle est à moi maintenant. Ok. Faut qu'on remonte. De toute façon, là tout le monde est infecté. Je pense que si on croise des êtres humains, en fait, il va falloir les éclater. Voilà. Excusez-moi. Il y a 21, mais 27 infectés, mec. Hein. Il y en a une qui est en train de pisser, là. C'est bon. Putain de service de nettoyage. En plus, j'ai loupé, je suis désolé, j'ai loupé le premier coup. Cette pauvre femme de ménage, il a fallu que je la tue en plusieurs coups, quoi. C'est vraiment dégueu. Zéro, c'est le nombre de survivants. What the fuck? Madame, je vous conseille de partir tout de suite. Vous prenez votre billet, vous retournez en Floride. Non, non, restez pas à côté de ces gens-là, ils sont infectés. Ah, oh, putain. Putain, il avait un chapeau, lui. Voilà, pour l'instant, c'est bon. Oh là 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 là, c'est la merde. Ah, c'est pas grave qu'ils me reconnaissent. Y'a qui là? Lui? De toute façon, ils vont tous finir par succomber. Hein. Toi aussi, je suis désolé. C'est quoi? On va sonner l'alarme, comme ça va tous les réunir dans un endroit. C'est quoi la grenade qui m'a donné d'ailleurs? J'ai récupéré une grenade, non? Ah non, non, peut-être pas alors. Il me semblait que j'avais récupéré une grenade, mais tant pis. Excusez-moi, pardon, pardon. Merde, elle était innocente, elle. Ouais, lui aussi. Ah, je suis désolé, messieurs, dames. Hein. Ça ne sera pas long, excusez-moi. C'est cruel ce que tu fais, mais t'es obligé de le faire pour le bien de l'humanité. Bah oui. J'allais faire une blague vraiment horrible. J'allais faire une blague vraiment... Oh, le pauvre, il est à poil. Regarde, et puis son visage, il est tout gris, mais pas le reste. Oh le pauvre, en plus je crois qu'il se rendait. Après il n'y a pas besoin de se rendre et il n'y avait pas d'armes. Bonsoir. Et il était marrant, il était habillé en coureur automobile lui. Ok, il en reste 18. C'est pas exactement ce que je voulais dire, il y a Enzo, mais c'est dans ces lignes là. Ouais. Voilà, chut. Tout ira bien, d'accord. Ça va pas être long. Ah, il en reste 17 quand même, ça va être un peu long. Du coup, ça va être un peu long, mais pas trop non plus. Enfin, disons que ça va être... C'est pas trop de votre sort, quoi. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Messieurs, dames, je suis désolé, vous avez vraiment mal choisi votre moment pour prendre des vacances à Hokkaido. Après, le Japon, je recommande pas forcément à tout le monde. T'imagines si ça s'était passé à Akihabara ou une connerie comme ça? Heureusement que c'est dans un truc paumé, dans une montagne. T'imagines si c'était un petit laboratoire au centre de Tokyo, on aurait été dans la merde. T'es infecté, toi? Non, mais c'est un hippie, c'est plus ou moins pareil. Désolé, hein. Non, mais c'est triste, limite, c'est triste. Ils sont tous à poil, ici. Ça va, ça s'emmerde pas pour des mecs infectés. Tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Mademoiselle! Mademoiselle! Oh, putain! Mademoiselle, s'il vous plaît, mademoiselle! Je déconne, je suis flic. Il est parti, c'est bon. Putain, j'ai plus de munitions, en plus. Bon, bah, c'est parti, on va y aller à la main. Hein. Désolé, hein. Madame?
Mais attends, elle a eu mal comme dans Battle Arena Toshinden. Ouh, ouh, ouh. Elle a eu mal à... Elle a eu mal à la Quake. Ouh, ouh, ouh. T'as là, j'en prenne des balles en plus. Éradique-moi tous ces Baka Gaijin. Mais non, justement, au contraire. Alors, remarque, si, c'est des touristes, donc ouais, c'est des Baka Gaijin. Putain, il en reste encore 21. Mec, j'avance pas. C'est horrible, j'avance pas. Et en plus, je crois qu'il reste... Je sais même pas s'il reste des gardes. Attends, on va aller dans l'autre bâtiment là-bas. Je sais même pas s'il reste des gardes, mec. Limite, faudrait que j'aille récupérer... Oh là 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 là. Oh, y a tellement de rouge partout. Désolé. Oh, le pauvre, il est abattu contre sa porte, là. Enfin non, je rigole pas, c'est très triste. Bonsoir, monsieur japonais raciste. Tech. C'est qui lui, c'est un garde ? Non, no, bah si, je suis désolé, putain, il ressemblait à Joji le dernier en plus. Ah, mais vous êtes tous en Kevlar ou quoi? C'est impressionnant, hein, ils sont résilients. Toi, par contre, le mec à poil, faudrait que tu commences à te barrer parce que t'as vraiment pas le choisi le bon moment. Attention, bonsoir les chercheurs. Oh là là, putain, c'est terrible. Ok, non, faut que je remonte. Le Breivik through à son apogée. Non mais encore, tu vois, là c'est dans un laboratoire secret. Tu peux limite partir du principe que tout le monde est un criminel ici. Quand j'avais fait le massacre sur Heaven Island, le truc à la... comment, à la The Punisher. Mais par contre, il devrait se barrer aussi parce qu'il a vraiment choisi son moment. Faut voir. Putain, ils ont viré les cadavres déjà. Oh merde, ça c'est dommage. Il est con lui ou quoi? Bah non mais attends, s'il met pas du sien... Je sais pas trop comment ça s'est passé ça, mais c'était catastrophique. J'ai l'impression que le nombre bouge pas. Mais non, en fait, à chaque fois que t'en butes, il y en a des nouveaux qui se créent en fait. Donc virtuellement, le nombre il bouge pas trop. Et je crois qu'en fait, en réalité, plus t'avances, plus y a des infectés. Et à la fin, ils te font buter tout le monde. C'est un petit peu la mission massacre. Ils se sont dit, les gens, ils aiment bien faire des massacres dans notre jeu. On va leur enfiler une gratos parce que là. Bonsoir. Tiens, fais-moi ça là. Bonsoir madame. C'est trop comment The Plague, tu sais, dans dans Hobo with the Shotgun, tu sais. The Plague qui se balade avec son fusil à pendre des gens. T'as pas une bombe, ce serait vite réglé. Bah ouais, une bombe nucléaire. Marchez pas devant, s'il vous plaît. Marchez pas devant. Marchez pas dedans, putain, vous allez en mettre partout. Ok, en bas y'a un mec. Il est où? Il a couru. Il est où? Ah, il est là. Excuse-moi, monsieur. C'est pour bien l'humanité, je suis désolé. Attends, il y en avait un qui était garde du corps. Bah merde. C'est quoi? Tu sais quoi, lui? Je vais lui offrir une belle fin. Hop. Voilà. C'est lui, non? Garde du corps. Bah merde, c'est tous des gardes du corps, ici. Et je peux pas le déclencher? Ah si, incinéré, voilà. Allez, bon courage. Enfin, bon courage. C'est une façon de parler, hein. Ok, je suis bien trop gay pour une mission dans le genre, en fait. Bonsoir. He's by the stairs, what the fuck. Faut que j'aille dans l'autre partie du compound pour finir le reste. Parce qu'en fait, ce que je voulais chercher là, c'était... c'est quoi? Un examen biologique, c'est quoi? Intéressant. Alors, ce que je voulais chercher, c'était le déguisement en fait du nerd, celui qui est en train d'ausculter justement le patient zéro. Et il avait la même tenue que moi, mais en noir, et il est vraiment effrayant. Merci BFG, j'arrive un peu tard, mais je suis quand même là, les enfants. Merci BFG. Est-ce qu'il fume ça? Tu te fous de ma gueule? C'est une blague. Attends, parce que lui, je vais aller le finir à la main, parce que non, c'est pas possible. Là, il y a vraiment de l'abus là. Il est où? Comment on sort? Là, vraiment, je trouve que c'est. Dis non, monsieur, excusez-moi. Là, je trouve ça vraiment irrespectueux, par contre. Hein. Non, mais attends, il y a des gens qui souffrent. Le mec, il est avec sa e-cigarette. C'est quoi ce bordel? Attends. Ouais, mais c'est pas par ici que tu vas la trouver, madame. Je suis désolé. Hein. Bonsoir. C'est le service des ratiras. Non, mais faut pas courir. Monsieur, faut pas courir. C'est pas bien de courir. C'est pas bien. Essayez un peu de panache. Essayez d'affronter ça avec dignité. C'est pas possible. Bonjour, madame. Vous n'avez aucun risque. Allez-y, vous pouvez y aller. Allez, un petit peu de dignité, un peu de panache, c'est bon, oh là là.
tout de suite, si ça fait les chialeuses et les miauleuses là. Tac, ça fait cadeau. Putain, ça va augmenter encore. Mais viens, on peut pas me faire un petit coup. Oh putain, c'est une bouteille de vodka. Attends, fais voir. Oh merde, je peux que l'empoisonner, c'est dommage. Non, non, mais l'autre il fait genre, il m'a pas vu là. T'es malin toi. Voilà. T'as pas une hache? Eh ben je crois. Attends. Y'a un truc qu'on peut prendre. Putain, je suis complètement con. Les mecs, on est au Japon. C'est vraiment horrible cette mission. Elle est vraiment horrible. Et la première fois que je l'ai fait, je m'attendais pas du tout à ça en fait. Et j'avoue que ça met mal en fait. C'est pas confortable. T'es obligé vraiment de buter les innocents quoi. Putain, y'a personne qui a un couteau ici, c'est quoi ce délire? Bah mais bon. Attends, tu peux rester là? Tu bouges pas s'il te plaît. Voilà. Toi c'est pareil. Non mais si, je peux. J'ai une dérogation gouvernementale, j'ai le droit. Tac. Attends. Pour aller chercher ce que j'ai envie d'aller chercher, je pense que je peux aller par là-bas. Il me semble. Je vais pas buter les caméras de sécurité pour que les gens ils sachent un petit peu ce que j'ai fait, tu vois. Ok, il reste désinfecté. Je crois que j'en ai laissé beaucoup avec des tenues hazmat. Donc il y a des chances pour que eux s'en sortent. Ah. 11. Bon bah tant pis. Bonjour madame. Vous allez prendre froid ici, hein. Oh, tu essayes de revive des gens, bah mec, c'est triste. Attends, fais-moi les munitions, là. Oh, non. Je crois qu'il est là-bas. Je crois que le katana, il est dans le coin, non? Si quelqu'un se souvient, il me semble qu'il est ici, non, le katana? Est-ce qu'il est pas dans le coin? C'est quoi la mission comme je viens d'arriver? Alors BFG, en gros, il y a un virus. Là, c'est la dernière partie de la petite campagne, une petite campagne de 4 missions. Il y a un virus qui a été développé par des connards. On a commencé à buter les connards, mais il y a un kill switch qui s'est engagé. Ça a réveillé des cellules dormantes. Et du coup, il faut éliminer toute trace du virus. Et là, on est en train de finir, en gros. Dans la montagne. Mais je croyais aussi qu'il était à la montagne, mais... Il y en a un dans la chambre de Yuki Yamazaki, mais le problème c'est que j'ai l'impression qu'ils ont viré tous les éléments. Je pense pas que ce soit la même chambre Martin 59 que dans la mission en fait à Hokkaido. Je crois qu'ils ont changé les trucs. Attends, tu sais quoi? Fais voir. Je vais aller dans Hitman Interactive Map. Voilà, Hitman Interactive Map, je vais voir dans Patient 0. Attends, je suis à Hokkaido. Patient 0. Est-ce que je peux pas sélectionner Patient 0? Mais non, mais... Ah, putain, ils sont cons, ces trucs. Attends. On va aller chercher correctement. Hitman, je crois que c'est dans le 1. Et normalement, il faut que j'aille voir à Hokkaido. Voilà, Patient 0. On va chercher directement dans les armes. Regarde, sabotage, distraction, poison, misc, intel, disguise, interaction... Distraction, létale mêlée, katana, il est où? Il est au niveau 0 et il est là-bas, ok, fais voir. Donc c'est ici et il est au niveau 0 tout en bas. Et ben, je crois que t'avais raison, c'est dans cette chambre-là. Donc ben, on va y aller. On va aller choisir... Ah, remarque, non, je sais pas si c'est une chambre. Attends, on verra bien. De toute façon, je crois qu'il y a littéralement plus aucun ennemi là. Enfin, à part... Ah si, il y a un mec là, on le voit avec son gun. On va aller tout en bas. Parce que oui, en fait, les missions sont un petit peu différentes, donc ils ont déplacé les objets, ils ont déplacé les... Attends. Excuse-moi. Voilà. Désolé, hein. Ça me fend le cul, mais... Ok, je suis ici. Mais non, je suis con. Mais non, putain, Russienne. Évidemment que si. Du coup, t'avais raison. Je crois que c'est bien dans la chambre de Yuki Yamazaki, hein. Je crois que c'est là-bas, hein. Attends, que je vérifie bien que je suis dans la bonne partie. Bête chargement, je rentre par là. Ouais, ça devrait être là. T'as un pompe dans la salle de sécurité. Ah, ça c'est une bonne idée aussi, Just Max. T'es un bon garçon, toi. T'es un bon petit garçon. Alors attends, c'est là-bas. Ensuite, gauche-droite, et puis c'est bon. J'ai pas du tout retenu. On va essayer d'y aller du premier coup. Je crois que c'était par là. Par là. Ensuite, madame, excusez-moi. Voilà, je suis désolé. Hein. Autant faire une pierre de coups. Et je crois que c'est ici. Bonjour, est-ce que vous auriez vu un katana, s'il vous plaît? Un katana. Ah! Impeccable. Daimyo no katana des. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que elle est littéralement en train de continuer à bosser? Tu te fous de ma gueule? Mec, t'es un champion, toi. T'es un champion. Fuis pas, sinon tu vas commencer à choper le gay aussi, là. Allez, on y va.
On va travailler tranquille. Elle est vénère, la soundtrack, mine de rien. Madame. Oh, putain. Attends, il y en a un autre, là. Excusez-moi. Madame, madame, madame. Voilà. Oh. Excuse-moi. T'as l'air tout gris. Repose-toi un petit peu. Bonjour. Alors, ça se réchauffe les couilles. Ça se fout des pierres chaudes dans le cul. Tac. J'ai une paire de gravier et un micro-ondes. Je peux vous faire ça tout seul aussi à la maison. Ok, ici c'est bon, tout le monde est claquos. Yes. Coucou. Ouf. Donc ça c'est fait. La suite, ils sont un peu éparpillés, hein, je veux pas dire, mais ces gens-là ne savent pas. Est-ce qu'il y a des gens qui sont infectés littéralement en train de dormir là-bas? J'ai l'impression. Hein. La balle dans la tête, c'est plus humain, tu trouves? Tu trouves? Eh bah écoute, tu sais quoi, on va faire ce que tu trouves plus humain alors. Voilà. On gardera le katana pour le reste. Le reste. Eux, c'est bon. Allez, on va descendre. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont évanouis. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ah, mais oui, mais c'est les trois que j'ai assommés tout à l'heure. Mais le con, j'ai oublié. Oui, c'est les trois dans la cuisine, là. Bonsoir, madame. Voilà, ça, c'est bon. Ça, c'est bon aussi. Franchement, dans le sommeil, c'est pas non plus cool. Je veux pas dire, mais il y a plus humain. T'aurais pas pu faire un vaccin à la con. Le plus marrant, c'est qu'il y en a un de vaccin. En gros, si tu n'as pas de tenue hazmat, il y a Diana, elle est en train de dire « Putain, t'as été infecté 47, qu'est-ce que tu branles, maintenant, il va falloir que tu trouves un vaccin. » Et il y en a un. Il y a un putain de vaccin. Et il faut juste que t'ailles le récupérer dans le laboratoire, mais il y en a un. Donc, ils auraient très bien pu foutre le truc en quarantaine et offrir un vaccin à tout le monde, mais non. Non. La mission n'est pas faite pour ça, la mission est faite pour buter plein de gens. Ouais, il en reste deux, de toute façon, normalement, on devrait avoir fini, là. Mais les cons, bah écoute, j'y peux rien, moi. Le meurtre est moins compliqué, bah ouais, parce qu'après, il faut faire des ordres de passage, les gens, ils vont gueuler, « Oui, j'étais avant lui, grosse flemme, hein, franchement, grosse flemme. Bonsoir, excusez-moi. Ouf. Voilà, il reste plus qu'un infecté, il est où? Il est là-bas. Les gens sont drôlement calmes pour des gens qui sont en train d'actuellement vivre un génocide. Excusez-moi. I saw some stuff, what the fuck? What the fuck? Oh my wamo. Plus personne n'est contaminé, bah évidemment, mais ça c'est du bon travail ça. Allez, je me casse. Y'a quoi comme exit cool? Y'en a qu'une seule? Non, y'en a deux, y'en a une là-bas et une là, je crois qu'il y en a une, du coup ça doit être le funiculaire, et y'en a une autre. Ça doit être juste le skidoo. On va partir en skidoo, tiens. Et ça fait quoi le virus à part rendre gay? Bah c'est tout. Y'a moyen de faire aucun infecté, Ruru? Oui, certainement, y'a certainement des moyens de faire aucun infecté. Mais j'avoue que je me suis mis à tarder un petit peu. Au début de la mission, je me suis dit, maintenant que je la connais, je vais pouvoir la faire rapidement. Et quand j'ai vu que les deux cibles étaient dans l'incinérateur, je me suis dit, merde, ça va infecter personne. Et j'avoue que je voulais quand même vous montrer que quand les gens sont infectés, il faut les finir de façon dégueu. Tu sais quoi, je vais partir comme ça. Hein. Hop. Mais non, mais c'est moi, c'est pas la peine de flipper. Là. Voilà. Ah. Bon, c'était cool, non? Bon, évidemment, là, on a joué un petit peu vénère. La particularité aussi de Patient Zéro, c'est que y a pas d'intrigue. Enfin, quand je dis y a pas d'intrigue, y a pas de, comme on dit, de trucs avec des points de passage et tout. C'est tout. C'est les missions qui sont le plus proches, je trouve, des Hitman de base. Et les cadavres, ça va pas infecter l'autre monde, lol. Chut, ta gueule. qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est très proche du reste. Y a pas d'intrigue. Tu dois tout faire à la main. Y a des trucs que tu peux deviner, bien entendu. Mais sinon, oui, tu dois tout faire à la main. Et je trouve ça assez sympathique. Infiltré via le sentier de montagne en putain en samouraï quoi mec. 47 commence sur le sentier de montagne qui surplombe l'hôpital déguisé en ninja. Mais pourquoi 47? C'est parce que t'es au Japon qu'il faut se déguiser en ninja. Oh putain, trop gênant mec.
T'as vu comment il a l'air baraque là dedans, 47, alors qu'il l'est pas du tout? Ah, le mec, il a l'air ultra massif. Indeed. Of course, as far as the ICA is concerned, the contract is closed. Sounds like you have some work ahead of you before I get involved. Le ton fan d'Okinawa m'a fait rire. Eh, vraiment, ouais. Les mecs, il y va à fond, quoi. Ah, il a même pas fini son boulot. Et bah voilà, patience zéro. Bon bah c'était cool, non? J'adorais ces petites campagnes, et je trouve ça juste dommage qu'ils en mettent pas plus. Des petites campagnes comme ça, ça fait du petit contenu qui se répète assez sympathique. Donc, alors ce que je voulais vous montrer aussi, il y a la roadmap d'ailleurs d'Halloween. Il y a des trucs cool. Regarde, tu peux gagner un genre de petit kiwi avec... c'est un petit kiwi explosif, je crois, avec une petite cravate. Je comprends pas pourquoi. Et t'as plusieurs nouveaux contrats qui vont arriver. Il y a pas de nouvelle map, je crois, en octobre. Mais... il y aura des nouvelles armes et des nouveaux contrats cool. Alors je pense que je vais essayer de vous en montrer aussi. D'ailleurs, il y a les dates ou quoi? Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Il y a les dates ou quoi? Parce que je sais même pas c'est quand en fait. Fais voir, donne-moi le truc. Donne-moi le truc. Voilà. 10 octobre. The Divine Ascendance. Ouais, ok. Et donc demain, il y a elle. Demain, il y a l'Elusive Target qui arrive. D'accord, très bien. Les dernières missions bonus sur Miami et Wildleton est une mini-campagne. Les dernières missions bonus sur Miami et Wildleton Creek, c'est-à-dire les missions bonus, je comprends pas de quoi tu parles. Les missions bonus, tu parles de ça? Ah, ça! Les affectations spéciales, je les ai même pas faites, je crois. Si, c'est quoi? Oh là là. Oh, je crois que je l'ai pas fait, ça, mec. Heureusement que tu m'en as parlé, parce que... A company producing demineralized salt water that promises a suspiciously long list of qui produit de l'eau déminéralisée salée aux vertus. Oh, ma canette. It's because Atlantide is only sold out of the homes of independent distributors. They pay Krish an initial signing fee and in return are able to purchase Atlantide. Ah, mais c'est le club Dial mais avec de la flotte. Ah oui, attends, c'est un club Dial pyramidal. Oh là 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 là, de quoi? L'eau qui rend communiste. Et juste avant, il y avait le virus qui donnait le gay. Mais putain, mec, on est mal barré. Hein. Ah oui, c'est moins hostile, mais... oh, c'était Florida Man, lui. Oh là 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 là. C'est pas bien. In the hopes of recruiting a celebrity driver to be the new face of Atlantide. Our clients would prefer he never recruit anyone again. Ah mec, le client, c'est un gros rageux. Tu vois pourquoi IRL, y a pas des mecs qui ont buté, comment il s'appelle le mec qui a, par ses achats, a fait augmenter le prix du truc contre le sida, du médoc contre le sida, enfin le traitant contre le sida, et qui a acheté l'album de Wu-Tang ou je sais pas quoi là. Une espèce de connard. Alors attends. Pisto vomi, mais non, pas pisto vomi. Tu veux pisto vomi? Je sais même pas si on va pouvoir le prendre avec nous. De toute façon, on va se faire fouiller à l'entrée, mec. Donc, ah non, y a même pas besoin. Vas-y, pisto vomi alors. On va pouvoir prendre le pire. Ça me fait rire comme terme. Pisto vomi, et on va prendre avec nous le tonfa d'Okinawa. Voilà, impeccable, très raciste. La réception de constat, on peut se prendre un truc aussi. Voyons voir. Est-ce qu'on peut se prendre... je sais pas ce qu'on peut prendre en rab. Tiens, les explosifs. Tiens, stylo explosif. Pourquoi pas? Je sais pas, je m'en fous. Allez, pisto vomi. Tu vas voir, c'est beaucoup moins impressionnant que ce que tu penses, Yaitso. Hein, vraiment. C'est, tu tires dans un mec, il fait... c'est tout, hein, vraiment. Et en plus, c'est pas un... c'est marrant, c'est pas un pistolet qui tire droit, ça tire en... oh, la traque, elle est cool ici. 1, 1, 1. Wow, wow, ça m'a surpris. Ok, allez, on se casse. On a le pisto vomi avec nous. It's my turn on the Xbox. tellement gênant. Ok, allez, on se casse.
Ils dansent comme les bébés. Tu sais, les bébés, ils dansent pareil, tu sais. Ils font des... comme ça, là. J'ai pas de carte. Ok, c'est pas... On n'a pas besoin de carte. Ok. Je suis un serveur. Et je viens vous apporter la mort. Omae wa mou. Shindeiru. Nani ? Irebo ! Je peux passer là ou quoi ? Bonjour, je suis le serveur, je viens servir. Oh putain. Ah merde, fouille non autorisée. Pem. Oui, c'est bon, j'ai été fouillé. Oh là là, c'est chiant d'être fouillé à chaque fois qu'on rentre ici, hein. Je suis abasourdi. Ok, attends, on va tenter un petit truc. On va tenter voir si on peut pas directement le faire bégère. Et on pourra finir la mission, mais tellement facilement et rapidement. Regarde, bouge pas, regarde. Tac. Attention. Oh, elle a envie de bégère. La meuf va trop mal le prendre. Oh. Si, c'est happening, mec. C'est happening de ouf. Vas-y, va bégère. Va bégère, je te suis, Master Shooter. T'as vu comment il faut tirer droit, loin ? Regarde pas, s'il te plaît, regarde pas. Tu vas me faire chier, toi. Ton fan Okinawa, go ! Tank. Wow ! Mec ! Non ! Mais non ! Mais c'est pas possible. Tiens, prends le vomi. Attends. Un vomi. Putain, j'ai loupé en plus. Ah, faut que je crochette quelqu'un. Il y a un gun là. Oh putain, c'est la merde. Toi, le Renoir là. Oh la vache, il y en a combien. Ok, on recommence. Oh putain. Le mec, il a fait... Il est parti de l'autre côté du niveau. Je sais pas pourquoi il a bugué comme ça, mec. Pump it up. Ok, bref. Et on se casse. C'est quoi ça? Un sac de sucre. Bah écoute, pourquoi pas, je vais ramener ça à la maison, c'est cool. J'avais prévu en plus de me faire des couignamans en rentrant. Alors quitte à faire, hein. Vous auriez pas 4 kilos de beurre? Je veux faire deux gâteaux. Ok. J'ai cligné les yeux et c'est la merde. Mais en fait, j'ai essayé de noyer le connard et je savais pas qu'il maîtrisait un jutsu. Et bah il s'est téléporté et je l'ai en cul, quoi, c'est tout. Hein. Va chercher le stylo et tu lui exploses la tête. Bah j'aurais bien voulu le noyer, mais attends, tu sais quoi, on va faire ça. Oh merde, il me reconnaît lui. Bah, c'est bon. Eh, vous filmez quoi? Eh. J'adore être un connard. Ok. Normalement, ils vont pas me fouiller quand je reviens. S'ils me fouillent quand je reviens, je vais vraiment péter un plomb. Putain, je l'ai foutu à Kronstadt en plus. Je l'ai foutu tellement loin, je vais devoir laisser le pisto vomi par terre. Après, je voulais montrer le pisto vomi, alors à la limite, c'est pas grave, tu vois, mais... Mais mec, le jeu, normalement, Mirage, il est super stable. Et je sais pas pourquoi, ce soir, il est en train de péter un plomb. J'ai jamais eu ces problèmes-là. Entre le mec qui est en train d'essayer d'activer un téléphone qui n'existe pas, et lui, là, qui... Je sais pas ce qu'il fout non plus. Littéralement, j'ai jamais eu ces problèmes-là. Je sais pas ce qui se passe. Bah, écoute, ça arrive. Bonjour, je suis un serveur. Je viens de super loin, mec. J'ai couru pendant 2 km juste pour récupérer ma valise. Bye pisto vomi. Bah oui, mais là je pense que je suis obligé. Ouais, on va prendre le stylo explosif. Hop, c'est un stylo. J'ai un stylo, un kilo de sucre, du crochet et un tonfa. Peut-être falloir que je laisse tomber le tonfa, d'ailleurs ils vont pas aimer je pense. Attends, on va le laisser tomber quelque part de bien. C'est quoi ce bruit? Vous avez entendu? J'ai l'impression qu'il y a eu un bruit C'est quoi ce bordel? Il y a eu un bruit furtif. Chez moi ça fait... J'ai pas compris. Attends, on va faire croire que c'est lui qui a un tonfa. Merde, mon crochet. Voilà. Je laisse le tonfa, mais je prends le... Non, pas le tonfa, putain. Je prends le didgeridoo. Yes. Tiens, je prends ta thune aussi, connard. J'espère qu'ils vont me laisser rentrer avec mon didgeridoo. C'est qui ce serveur qui casse les couilles au milieu de la scène?
T'as tout le monde en train de danser et t'as 47. Le relou. Je peux passer? Ah mais en fait je peux passer. Je crois que j'aurais pu garder le pistolet vomi. Mais bon, tant pis, hein. Tant pis. J'ai envie de l'exploser à coup de... Tu peux me fouiller? Non, tu me fouilles pas? Ok. J'ai envie de l'exploser à coup de stylo maintenant que t'as lancé l'idée, donc... On va faire ça. Par contre, je pense que ça va être le truc le moins discret du monde. Je pense qu'on va se faire choper par tout le monde au partir du moment où on va lancer notre couteau, hein. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, tant pis. Pim, 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 pim. Vous voyez ce couteau? Enfin, vous voyez ce stylo? C'est qu'un stylo, il ne paye pas de mine. Attention. Attends, mais... Merde, j'ai pas vu. Oh, le petit bruit d'explosion. Il m'a éclaté. Attends. Il est où? Il est où, ce con? Oh, merde. Oh, merde. Attends. Tac. Non. Mais je vois. Et l'autre qui tombe, on dirait qu'il fait une crise cardiaque. Avec ça m'éclate. Je m'habille en lui. Oh merde. Ils m'ont trouvé. Attends, je recommence. Je recommence, je m'en passerai jamais, je crois. Allez. Mais c'est juste un pétard. Bah ouais, mais mec, t'as un pétard planté dans la jugulaire, poteau, t'es au courant quand il pète, hein. Oh mec. Oh putain. Allez, on se casse. Allez, on se casse. 4 max power, high voltage power cell, what the fuck? Allez, cassons-nous. Yeah, my boy, that's some ass. You got that ass. Allez, on se casse, on a même pas changé de déguisement. Oh, le bordel que c'était, juste pour buter un mec, on lui a filé la chiasse deux fois et on l'a explosé à coup de... à coup d'explosif trois fois, c'était bien. Sa tête, elle aurait dû se décrocher à Mac 3 de son corps. Oh mec, ça aurait été génial. Je pense s'il rajoute du démembrement à Hitman 2, mais... Oh putain, mais mec... Oh, ça aurait été génial, quoi. Sa petite tête qui fait... Comme dans les cartoons, quoi. Ok, fou. I've been examining Chris's phone records, and there are quite a few long calls here between him and someone named Voles. Voles. Ah, I see. It seems your last contract may not have been... C'est super stylé ce qu'ils font, moi. Evidently, Krish was the frontman for Atlantide, and the one responsible for its predatory expansion practices. The man behind the product and the pitch, however, is Galen Voles. Voles stays out of the spotlight. C'est celui qui tire les ficelles. From dry Ça a du risque de cancer de 98%, mec. Recently moved out to the suburbs. Je suis sûr que le mec qui a designé la mission, là, c'est un gars, genre sa meuf, elle s'est fait arnaquer à acheter l'eau filtrée par des cristaux et des trucs comme ça, tu sais, des cristaux, je veux dire. Oh, mec. Ok, donc on va pas le faire au sniper. Je pense que ce serait un petit peu facile de le faire au sniper. Je pense qu'on va juste y aller à la main. Oh, tenue résidentielle, c'est quoi? Oh, dis donc. C'est celle qu'on a à Whittleton Creek tout le temps ou quoi? Ok, qu'est-ce que vous voulez qu'on prenne comme... Appelez une bombulance, je suis train de faire AVC. Vous voulez que je prenne quoi? Fedora Man, on l'a déjà pris la dernière fois, Fedora Man, on l'a pris sur l'île. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dit un petit peu là? Costume semi-formel, tenue de cow-boy, tenue de Freedom Phantom, clown mort de rire, le clown, ok le clown. Allez, on part sur du Max Zander. Je vais prendre ça. Ça, conteneur, ça. Non, remarque, j'ai même pas besoin de prendre un conteneur, je crois. Bah si. Bah si. Bah, je tiens plein pot. C'est pot de bain, ça. Fais voir. Ah non, c'est dans l'arme dissimulée. Voilà, c'est dans l'arme dissimulée qu'il faut prendre. Je suis con, c'est moi qui suis abruti. On va prendre aussi la matraque télescopique. Je pense que ça va être cool. On va se foutre quand même.
un petit gun silencieux, tiens, un petit pisto vomi. je rigole à chaque fois que je dis pisto vomi en fait. Voilà. Et puis voilà, on va partir comme ça. C'est n'importe quoi ce que j'ai choisi, mais tant pis. La bouteille d'eau à 15 balles, tu veux dire le truc des hipsters? Ah oui, la. Putain, c'est quoi le truc avec les fleurs là? La bouteille carrée avec les fleurs dessus, je l'ai goûté en plus cette eau-là. Je me souviens même plus. Le mec qui arrive avec son fusil de chasse. Hop. Et voilà, lui on peut le planquer et du coup on va rentrer chez lui, on va lui foutre un gros coup de pompe et on se barre, je pense. Ouais, c'est ça, la Fiji Water, ouais, c'est ça. L'eau Fiji, ouais. Il y a quelques gardes. Ouais, c'est bon. On est dans une petite truc résidentiel, on peut se faire emmerder. Hein. J'adore cette map. Ils ont réussi à reprendre le concept de A New Life, je crois, c'est ça ? Et de la réadapter sur une map beaucoup plus grande en gardant le... Cette feuille magique. En gardant le côté comfy comme ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool ce qu'ils ont fait. Les gars qui sont occupés des maps ont vraiment fait un boulot de ouf. Et apparemment, la map préférée des gens, c'est... Bombay. Que moi, personnellement, je ne peux pas saquer, mais écoute... To each their own, comme on dit. Là, je grimpe des trucs, je sais pas, on se démerde. Où est-ce que je peux aller avec ça? Toutes les fenêtres sont... Je peux rien faire, là? Est-ce qu'elle a des... Ah! Ouais, mais attends, il y a des trucs sur toutes les fenêtres. Bonjour! Je m'infiltre chez toi et je viole ton chat! C'est moi! C'est moi, Calibre 12, le clown rigolo! Je vais t'enculer tes animaux de compagnie! Ok. Bombay, en termes de possibilités, il est énorme. Et oui, et je crois qu'il y a aussi un truc qui plaît à beaucoup de gens. C'est le fait que c'est un petit peu nécessaire d'apprendre à connaître vraiment la mission. Tu vois ce que je veux dire? Oh merde. Putain, c'est ici la salle des serveurs. Il me faudrait une petite carte d'accès. Est-ce que vous trouvez ça chiant quand j'active la vision d'aigle tout le temps là? J'avoue que c'est un petit peu un réflexe. Je me rends pas trop compte quand je le fais. Surtout pour être sûr de pas louper d'objets ou quoi, je vais essayer de... Désolé. Joker 2019. Oui, donc ce que je disais, c'est que Bombay, t'es un petit peu obligé d'apprendre comment marche la map, essayer de prévoir où pourrait être la cible, etc. Donc c'est le clown de SS13, un petit peu. Hein. Oh putain, mais il y a des gens ici. Hop. Y a pas la carte ici là? Waouh. Damn, I look good. What the fuck? Bon, vas-y, on va voir. Je vais essayer de déclencher une fuite ici. Une fuite? Je vais déclencher la fuite? Est-ce que j'ai pas... Tiens, j'ai ma batterie télescopique, je suis con. Regarde, il va chercher la source du leurre, je suis bien caché derrière ça. Tu sais, il fait le mime. Imagine 47, il fait le mime derrière, genre... Je suis dans... Bah, il peut pas parler parce que c'est un mime, mais voilà. Je me suis compris, en tout cas, moi. Vas-y, viens. Ah, y a une fille d'eau. Oh là là. Ferme la porte. Faut que la porte se ferme, sinon mon plan tombe à l'eau. Non. Ça y est. Il y a eu des problèmes. C'est rien. On prend ça. On ferme. Voilà. C'est rien. Ouf. Oh la vache. C'est rien. Je peux pas prendre son déguisement, dis donc. C'est marrant ça. Comment se fait ? Pennywise avec un pompe, franchement, tu peux plus rien faire. Ils flottent tous ? Ils parlent pas comme ça, mais... J'ai fait un mix entre Pennywise et... J'ai oublié le nom, du coup, ça m'a saoulé de chercher. Putain, c'est trop stylé comme truc. Dans le refuge pour sans-abri qui est à côté de chez moi. Enfin, pas loin de chez moi. Ils ont... Des bouteilles de pinard coupées en deux et arrangées en jardinière. Donc en fait, ils ont plein de bouteilles de pinard parallèles, tu vois, mises sur le côté, tu vois, genre, ouais, mises sur le côté, parallèles, qui pendent sur, on dirait une échelle, mais où tous les barreaux seraient des bouteilles de pinard, en fait. Et elles sont toutes coupées en deux dans le sens de la longueur, et ça sert de jardinière. Ils ont mis de la terre et ils ont mis des petites fleurs.
dedans. C'est super mignon. Ah, c'est ça que je voulais. Voilà, ça c'est impeccable. La la la, attention. Tu sais quoi, ça... Je recommence. Je suis désolé, mais je viens de me dire un truc, c'est que là, on est proche du full target sans problème. Ça me fait un petit peu chier de niquer tout ça en ayant buté lui. On va attendre qu'il passe. Là, il passe, tranquille. Hop, on passe ici. Pip, 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 pip. Hop, personne ne me voit, c'est littéralement un miracle. Littéralement un miracle, mec. C'est... Littéralement un miracle, poteau. Voilà, on va niquer tous les systèmes de sécurité. Comment on fait, ça? Je pensais que j'allais devoir hacker, mais non, c'est juste des fusibles à éclater, quoi. Ok. Faut vite remonter. Avant que l'autre connard revienne pour réactiver les fusibles. Et ensuite, on passe par la fenêtre et on va au premier étage. Hop, hop, hop. Chut. Je le fais super vite parce que je suis pressé. T'arrives comme Big Smoke. Oh! I want two number nine. Number nine large. Two number 45. One with cheese. Voilà, il est parti remettre les trucs de sécurité. Comment je vais partir? Sire... Alors j'avoue, j'ai pensé à beaucoup de choses dans mon truc, mais j'ai pas réfléchi jusque là en fait. C'est pas grave. Oh, il y a un guernier. On va aller voir au guernier s'il y a un truc. Oh, le bordel. Allez, on monte. Pim, pim. Il a des gros souliers, le clown. Bah oui, c'est dommage que ça fasse pas de bruit quand tu marches. Pip, pou, pip, pou, pip. Putain, y'a rien, mec. T'es sérieux? Putain, là aussi, ils ont foutu des lasers. Putain. C'est pas forcément compliqué, mais ça va me faire chier. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui regardent la porte là-bas? Pim, 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 pim. Voilà. Oh, merde. Je suis pas là. Je me rends, tu m'as trouvé. Oh, j'ai loupé. Voilà. Je suis désolé. Qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, bah, je suis obligé de recommencer, ça, c'est pas grave. Comment je peux faire? Il faudrait que je nique vraiment les fusibles. Est-ce que tu penses que je peux tirer sur les fusibles pour les rendre inutilisables? Voilà. Déjà là, ça va être plus chiant, tu vois ce que je veux dire? Ça a marché au moins? Oui, ça a marché en plus. Je vois pas pourquoi j'essaie de faire des trucs un peu subtils alors que bon, avec une cartouche, est-ce que c'est pas beaucoup plus simple? J'espère juste qu'il va pas pouvoir genre réparer ça. Après, je sais pas comment tu peux réparer ça tranquillement avec un tournevis, mais des fois ils trouvent des moyens, les mecs. Hein. Life finds a way. You fucking cock. Donc il y a un Kemé qui est avec lui en fait dans sa pièce. Je pensais qu'il était tout seul, mais non. Et donc je pense que je vais pouvoir essayer d'aller dans son bureau. Dans son bureau. Ah, je suis pas là. Hop. T'as vu quelque chose? Ouais, t'as vu quelque chose, mais t'as rien vu. Hop. Voilà. C'est pas du tout son bureau ici. Qu'est-ce que c'est que cette pièce? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Je suis où? Oh ma mère, je suis paumé. Il va venir ici, tu crois? Est-ce que lui, il va rentrer, là, lui? Rentre pas. Tu rentres pas? Yes. Fini de rigoler. You think I'm a clown? Qu'est-ce que t'as? T'aimes pas les clowns? Pourquoi? Je te fais pas rigoler? Est-ce que je suis pas un marrant? T'as intérêt à me répondre, petit malin. Sinon, je vais revenir au voir toi et ta maman. Et si t'as pas une bonne raison de détester tous les clowns, je vous tuerai, toi et toute ta putain de famille. Il me faut vraiment pas grand chose pour que je commence à buter des mecs. Je suis désolé, c'est des vieux réflexes, ça. J'y peux rien, hein. C'est inscrit. Hein.
Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent de quoi là? Putain, ils sont longs. Attends, je vais aller les voir parce que lui on se... Merde. Putain, je crois qu'il était retourné dans l'autre sens. C'est rien, non mais j'ai pas d'arme, c'est une connerie. On me fait tout chier. Fini de rigoler. Il a mis son nez rouge pour la dernière fois. Mais il est retourné dans quel sens en fait? Ah, mais il est vers moi. Il va où? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que tu peux retourner dans l'autre sens? Qu'est-ce qu'il parle? Il parle à quoi? Qu'est-ce qu'il dit là? Ah, il a dit de se barrer? Il lui a dit de se barrer? Non? Je sais pas si... Qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre ces cons là? C'est pas possible. En plus, j'ai qu'un pistolet vomi. Le seul truc que je peux récupérer là-bas, c'est même pas un flingue silencieux, c'est un pistolet vomi. Top. Ah, il est en train de baliser parce que son système marche plus, c'est ça? Est-ce que tu penses que je peux rentrer chez lui? Oh, c'est chaud de ouf. Attends, je vais me cacher là parce que... Voilà, chut. Mais il va rester là, autre con, quoi. Merde, quelqu'un me voit. C'est rien, je bosse. Je travaille là, hein. Appelez pas les flics. Il part? Il part. Il part, mec. Yes. It's my time to shine. Non, non, non. Non, t'as rien vu. T'as rien vu. T'as rien vu. Ta gueule. T'as rien vu. Putain, merde, j'étais bien. Il m'a vu trop vite. Ah, merde, comment je peux faire? Parce que là, il va forcément me voir, en fait. Attends. Je suis le plus malinois du monde. Regarde. Ensuite, je fais... Hop. Je passe par là. Mon gars, je suis un fantôme dans leur truc. Hop, on passe par là. On passe par là. Hop, hop. Hop. Chat. Chat. Bonsoir. Hop. Target éliminé. Oh, 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 putain. Oh. Vas-y, tu te casses, tu te casses, tu te casses. On se casse, on se casse, on se casse. On se casse, les mecs, on se casse, on se casse. Oh. Hop là, putain. Oh. Et là, mon gars. Et là, mon gars, tu sais quoi? Je leur laisse mon fusil de chasse, même. Hop. C'est quoi? Dissimuler un objet dans la boîte aux lettres? Attends. Vous avez du courrier, hein? Même là, j'ai serré du fion. Hein. J'avoue, on serait fait choper là, ça aurait été la merde. Mais c'est bon. C'est bon, j'ai tué ma cible. Je lui ai cassé les vertèbres et il sent plus son cœur. Oh oh oh, les enfants! Pourquoi elle court, elle? T'es pas ma cible, pourquoi tu cours? Tu veux qu'il me baigne? Incroyable ça. Tu sais quoi, on va se barrer par le petit pont là-bas, c'est bucolique, j'aime bien. Tout, tout. Tout, tout. Y'a quoi qu'on peut voler ici? Y'a plein de trucs qu'on peut voler par terre, là, regarde ça. Putain, on dirait Sylvain, Sylvain de Caméra Café, mec. Oh! Ouais, file un track poétique à un clown, c'est une bonne idée ça. Oh les cons. Voilà, et bah voilà, ça fait une autre petite campagne de fête. J'ai assommé personne, je crois, en plus, non? Je pense que je me suis pas fait choper, je me suis pas fait repérer une seule fois. Je pense qu'on a fait un assassin silencieux, ça. Franchement, ouais, le ninja avec les chaussures à grelots, c'était... Je sais pas si on a 5 étoiles ou pas. Je pense que je devrais avoir un putain de... Assassin silencieux, voilà, en costume, aucune preuve, en costume, aucune preuve, en costume, serment d'hypocrite, porte du sous-sol, tir direct, et voilà mon gars, 27 000 XP sur Whittleton Creek, oh la vache, oh putain mec, et voilà, assassin silencieux 5 étoiles, et franchement mon gars... Eh, c'était exemplaire, exemplaire. On a beaucoup rechargé quand même pour être sûr de bien connaître notre chemin. Mais, impressionnant ou pas? Franchement, assassin silencieux. Putain, je gagnais tellement d'XP. Malus Necessarium, niveau 147. Balle de baseball explosive. Mais c'est génial. Sous-sol des Hanson. Ok, c'est un point de retrait. Garage de Hélène. Pilule mortelle.
fumigation, ramasseur de poubelles, panneau de banlieue. Oh là 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 là. Well, that's that. Et bah voilà. Two fewer snake oil salesmen in the world, or exponentially more if you include their downlines. Well done as usual, 47. On a buté des mecs qui vendaient de l'eau. Écoute, c'était des charlatans, mais est-ce que vous pensez que ça méritait quand même de les buter? C'était des charlatans, d'accord, mais c'est pas un peu chaud quand même? Je sais pas. Ok, voyons voir. J'aimerais bien faire des petites missions, un petit contrat d'escalade quelque part. Je sais pas trop où on peut faire ça. Quelque chose de pas trop chiant. Contrat d'escalade. Qu'est-ce que vous voudriez voir? Une map qu'on a déjà faite peut-être ou quelque chose. Marrakech, c'est joli. Paris et Sapienza, je voulais bien montrer déjà, je pense. Colorado, je voulais pas beaucoup montrer, je crois. Il me semble. C'est pas l'heure de flinguer tout le monde. Il y a encore des missions bonus en Colombie et à Bombay. C'est vrai? Putain, mais mec, je les connais pas, ces missions bonus là. Bah oui, la folie des grandeurs. Merde alors. Je sais pas. Non, je pense qu'on va faire plutôt des missions d'escalade. Je pense pas faire un massacre aujourd'hui, Jean, vu qu'on en a fait un plus ou moins pour Patient Zéro. On fera un massacre à un autre moment. On ira faire un massacre à Whittleton Creek, d'accord, aux USA. Il y aura un petit côté Uwebo en plus, je pense que ce sera sympa. Tu sais quoi, on va retourner à la banque. On va faire une mission d'escalade à la banque. Ce sera cool, je pense. Donc, allez, premier niveau de mission d'escalade. Donc, les contrats d'escalade, c'est tout con. T'as une cible et ils te donnent des complications. Donc, par exemple, là, on va commencer forcément à quelque chose. Il faut pas qu'on change de déguisement. Et on aura le déguisement de braqueur de banque. Et il faudrait l'éliminer en utilisant électrocution. Putain, la vache, ça va être super dur. Et donc, en gros, ça va... Là, on est au niveau 1. C'est marqué en bas, là, ici. On est au niveau 1. Et en gros, à chaque niveau, ça va apporter des nouvelles complications ou des nouvelles cibles. Et là, le problème, c'est que, mec, le premier niveau, on est déjà avec un déguisement que les gens vont chasser à vue. On va pas pouvoir changer d'équipement. Et il faut la buter avec un accident. Putain, mec, comment je vais faire? On va voir un petit peu le setup, mais ça risque d'être... Eric. Oh putain, je peux pas changer de déguisement en plus. Mais mec, mais c'est la merde. Non? J'ai rien sur moi. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain. Bon, on va tenter. Hein. On va tenter, tac. On va prendre la hache, on sait jamais. De toute façon, on va être chassé à vue, alors quitte à faire, autant prendre la hache. Hein. Après, je sais pas trop si ça va nous aider. Étant donné qu'il faut de toute façon qu'on la tue en causant un accident. Est-ce que tu penses que je vais me faire choper là? Eh oui, ah, je me suis fait choper. Ting, 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 ting. Oh là là, merde. Elle est chaude celle-là, mais elle est vachement cool. Bah j'imagine bien, ouais. Bon, c'est quoi? Est-ce que tu penses qu'on peut épouser le mur là et passer contre le mur? Non, à mon avis, c'est niqué, non? Ah non, on peut. J'aurais pu ne pas me faire choper si je voulais. Échanger quoi? Ah oui, ok. Faut qu'on passe par au-dessus de toute façon parce que là c'est pas possible. C'est toujours le plaisir des escalations. Mais ouais, enfin toujours, j'aurais pas dit toujours, mais y en a qui sont vraiment très cool, mais y en a. Putain, mais. Je peux pas passer avec la caméra de sécu là. Voilà. Oh putain. J'avoue que je sais vraiment pas comment je vais m'y prendre. Ça met nous ça. Pas ici. Donc en gros, il faut qu'on... Ok, j'ai une arme. Déjà, j'ai une arme. On va laisser ça de côté. J'ai mon tournevis. C'est plus ou moins l'arme la plus puissante du jeu quand même. Putain, comment je vais passer là-bas? Attends, ça me gratte le bras. Je commence à stresser parce que ça me gratte le bras. C'est quoi? Yes. D'abord aux rats. C'est les rats, ils sont morts. Est-ce que tu penses que... Putain, oui, j'ai pas de sauvegarde. Ils vont me chasser quand je vais rentrer au... Là ou quoi? Je sais même pas, en fait. Je sais même pas si légalement, je peux porter cette tenue dans le lobby. Je peux ou pas? Oui! Ok. Alors, tout le monde va me chasser, en fait, mais j'ai le droit, quand même. Oh, putain de sa mère, la pute, mec. Oh, c'est chaud de ouf. Ok. Je sais pas, c'est un miracle. C'est littéralement un miracle que je sois passé. Mesdames et messieurs, c'est un miracle de Noël. Ni plus ni moins.
Hop, excuse-moi, je passe. Hop, hop, hop. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Oh, putain. Je suis en train de me chier dessus, poteau. Je suis en train de me chier dessus. À l'aide. Comment je me lâche, voilà, comme ça. C'est la merde. Comment je peux faire une... Comment je peux la tuer avec une électrocution ici, moi? Ah, je lui ai piqué ses pièces. Attends, attends. Putain, comment je peux faire une fuite? Faudrait que je fasse une fuite. Et faut que je la tue par électrocution. Dis-toi qu'il y a des mecs qui speedrun ça à l'aise. Ah bah ouais, ouais. Et ils sont plus forts que moi, les mecs qui speedrun ça à l'aise. Elle est dans un truc. Elle est dans un truc mouillé. Elle est déjà dans un truc mouillé. Faut que je trouve une batterie de bagnole, un truc. Vous avez rien, vous, là? Ils ont toujours des trucs intéressants, eux. Fléchette sédative. Pourquoi pas? Pistolet à fléchette sédative, je les ai même pas... je l'ai même pas chez moi, en fait. Enfin, je l'ai même pas dans mon run normal. Tiens, je vais prendre un cheeseburger. Pourquoi pas? Ça, c'est quoi? Note au service informatique. Pourquoi pas? Ça sert à rien, mais tant pis. Faut choper une batterie de voiture, il y a déjà l'eau sur elle. Bah ouais, ouais, mais... je suis en train de me dire, ça se trouve, la batterie de voiture, elle était au garage où j'ai commencé. Mais du coup, il est là le problème en fait. Y a rien d'autre ici, on est d'accord. Vous auriez pas une batterie de bagnole, vous, de base? Oh putain. Oh, j'ai du bol qui m'a pas vu, le con. Heureusement qu'il voit. Oh, oh merde, comment je vais faire? Comment je vais faire, mec? Qu'est-ce que je vais faire avec tout cet oseille? Y'a rien dans cette mallette. Non, y'a que dalle. Je crois que je me suis niqué, les gars. La batterie est bel et bien au garage. Je suis obligé... Écoute. Pour l'instant... Ouais, non, mais je vois où elle est en plus maintenant. Elle est... Elle est pas sur une étagère ou un truc comme ça? Maintenant, on sait comment faire. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Si tu peux voir l'œuvre de ta vie gâchée en un soupir... Et sans un soupir, te mettre à reconstruire, alors tu seras un homme, mon fils. Personne n'a dit ça. Personne ne dit ça. Allez, on recommence. C'est rien, maintenant on sait par où passer. Regarde, speedrun, tac, tac, tac. Skibili wap, wap, wap. De quoi? Ça t'occupe. Merde. Ça fait réfléchir. Ok, c'est bon, les gars. Là on gère. Là on gère de ouf. Ok, je peux pas me lâcher là. Oh merde. Oh non, il va investiguer. Oh le con. Oh le chien, non, reste là, s'il te plaît, c'était une connerie, reste là. Retourne-toi. Yes! Oh, la vie est belle. Par contre, je sais pas si je vais pouvoir la récupérer, en fait. Si? J'espère, sinon c'est la merde. Attends, je rigole là, mais je rigole pas trop, en fait. Voilà, ok. On y va. J'aurais pu attirer l'autre ailleurs et donc ne pas tuer un innocent, mais est-ce que c'est vraiment une mission de Hitman si je tue pas un innocent? C'est la question que j'ai envie de te poser là ce soir. Par contre, comment on se barre? Comment je vais me barrer? Est-ce que tu penses que je peux partir par littéralement devant? On va essayer de voir si on peut pas partir par devant. C'est con, j'aurais pu le faire en Silent Assassin, mais c'est pas grave. Hop. C'est pas grave, si on se fait choper, c'est pas grave. Vous avez voulu me carotte? Je sais plus, est-ce que c'était pas Slay qui avait fait cette blague la dernière fois quand on avait fait le massacre dans la banque et j'étais habillé en lapin? Alors, on a voulu une carotte. Ça me fera jamais pas rire. Non, je peux pas changer de déguisement à Puck.
Je suis en train de faire un contrat d'escalade. Et là, une des difficultés, c'est que je ne pouvais pas prendre de costume. Il y a des difficultés, de temps en temps, où c'est, il faut tuer quelqu'un avec un certain costume, mais tu peux le tenir que pendant 60 secondes. Donc, c'est vénère. Alors, c'est quoi maintenant? Oh avec une dague de cérémonie. Oh putain, ok, alors... Donc il faut, on va être encore habillé en lapin, on va être encore sans rien. Il faut buter elle. Hein, il faut buter un autre mec avec une dague de cérémonie et il ne faut tuer que les cibles. Là mon gars. Là mon gars, on rentre dans le... Et c'est que le niveau 2, hein, il y a un niveau 3 après. Là mon gars, on rentre dans le nerf du problème. Ok. Ok, ok. Où est-ce qu'elle va être cette putain de dague de cérémonie par contre? Là c'est quoi cette... Qu'est-ce que c'est que ces pâtes à couac? Et pas d'innocent non plus, bah évidemment. Évidemment, évidemment, évidemment. Rentre, voilà. Comme ça, alors, où est-ce qu'elle est cette putain de dague de cérémonie? Il me dit pas qu'elle va être dans le putain de coffre-fort. Putain, voilà. Dans le coffre-fort, comment j'ai vu faire, moi, dit. Est-ce que tu penses que... Mais là, je peux pas passer comme ça, non? Non, je vais me faire enculer si je passe comme ça, moi. Pim 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 merde pim 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 merde pim 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 merde pim 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 pim. Est-ce que tu peux aller voir là-bas s'il y a un truc? Oh bah merde, je peux ouvrir ça ou quoi? Non je peux pas du tout, je peux pas du tout. La merde ce que je fais. Tac. Voilà. Elle est dans le coffre. Et je crois que je peux toujours pas changer de déguisement il me semble. Si vous changez de déguisement au cours de la mission, celle-ci échouera. Ouais, ok. Comment est-ce que je peux faire? Il faudrait que je trouve... J'ai peut-être une idée, les mecs. J'ai peut-être une idée. Non, deux, même trois. Oh là là, j'ai plein d'idées. Ok. On va tenter un truc, deck. On va tenter un truc. On va voir si on peut pas... Je crois qu'à l'étage d'au-dessus, là, on peut choper de la mort aura. On va voir si on peut pas causer chez tout le monde l'envie irrépressible de se chier dessus. Comme ça, ils vont quitter le bureau, je vais pouvoir rentrer et faire mes petites manigances, d'accord? On va essayer de faire ça. J'ai pas la peine que je prenne le tournevis, de toute façon, je peux buter personne d'autre. Mais ça me rassure toujours d'avoir un tournevis sur moi, ouais. Au cas où j'ai besoin de monter, je sais pas... Oh, non mais ouf! Oh non! Oh le con, non, non! Si, ouvrir! Qu'est-ce que j'ai ouvert? J'ai pas vu qu'il y avait une porte là! Putain! Oh non, c'est la merde! Et si je nique ça là? Est-ce que ça ouvre la porte là? Oh la connerie! Eh. Oh merde! Oh merde! Oh non! Oh non! Est-ce que je peux assommer les gens? Bon, je peux les assommer, c'est déjà ça. Mais, ah, ça fait chier. Oh non, nego. Allez, rejouer. Il va falloir une carte d'accès. C'était pas des lumières. C'est ça qui manque au jeu, c'est des wildliners, mec. I've got balls of steel. Y'a un easter egg, quand tu rentres dans le coffre, esquive tous les lasers sans les activer, récupère tous les lingots d'or, tu verras ce qui se passe. C'est un truc à la Ocean's Eleven. Est-ce que personne ne regarde? Non, 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 c'est pas la peine. C'est pas la peine de me voir, non, non. Je suis un lapin. Pip. Je vais essayer de faire ça, Martin, mais j'aimerais bien déjà faire ce contrat d'escalade. Déjà que ça va être bien galère si je peux éviter d'avoir faire Vincent Cassel. J'avoue que ça me plairait, moi, personnellement. On va voir. De toute façon, on peut les assommer. On peut les assommer, les mecs. Donc, c'est pas la peine non plus de trop baliser. Ce que je fais, je fais ça. C'est pas exactement... Je voulais l'étrangler, hein. Je voulais l'étrangler, mais écoute. Dieu en a voulu autrement. Voilà. Bim, 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 bim. On les active. Les trucs, les caméras. Non, non, il est pas mort, il est pas mort. Il est... Il est juste en train de se demander ce que c'est que ce bordel. Y a pas une carte d'accès ici, là? Il va me voir, lui.
Milton Fitzpatrick serves more Masonic members than any other. Putain, c'est des francs-maçons? Il y a des francs-maçons ici? Mais ils font des maisons ou c'est juste. C'est quoi? Là, 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 là. C'est rien, c'est rien, c'est rien, ça. Je suis un lapin, ok? Je... Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut s'y tenir? Ne remarque pas le cadavre. Ne remarque pas le cadavre. Tu peux prendre ça si tu veux. Oh merde, t'as remarqué le cadavre. Donc. Chut. Eh bah. Impeccable. Carte d'accès. On est bon. Merde. Bah j'ai pas la carte d'accès. C'est la carte d'accès à quoi que j'ai eu là? Passe-partout des coffres. Donc ça c'est. Ok, ça c'est pour ouvrir les coffres. Mais qu'est-ce que. J'ai ramassé quoi? Se déguiser, non je peux pas parce que sinon. C'est... Bah oui mais ça ouvre pas ça. Faudrait que. Tu sais quoi? Parce que là tu vas me voir en fait. Le coffre, non, à gauche. Ah oui, ça! Ça, ça va ouvrir ce coffre-là, mais je parlais de la carte d'accès pour... T'es un malin, Apocal. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, c'est pas la peine. Non, non, c'est pas la peine. Quoi? Quoi, fucking? You fucking? Oh, merde. Putain, non, mais c'est niqué, il va aller voir. Je pensais qu'il allait venir me poser des questions, mais non, il était bien au-delà des questions. C'est pas grave, maintenant, on sait quoi faire, on sait quoi faire. Pim 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 pim. T'inquiète, on va prendre ça, regarde, tac. On va prendre la batterie. Batterie, si tu allumes la télé, ça va les distraire, ouais d'accord. Je vais faire ça, mais de toute façon, je peux aussi faire ça. Haha. T'inquiète. Il va nous tu vois, il fait, oh putain, il y a comment si je veux commencer à faire chaud ici, putain. Et je vais lui foutre un coup de batterie dans le cul, on va voir comment il s'en sort. Regarde, tac. Mip. Impeccable. On va le foutre ici. Ouais c'est bon en fait j'ai besoin de... J'ai besoin de niquer personne. Tac. Voilà. Maintenant c'est lui qui va venir voir. Et ensuite on met la télé. Le troisième vient voir ça. Normalement ça va le faire. Normalement ça devrait bien le faire. Il va venir observer ça? Ah oui d'accord ouais. Ils sont tous en train de paniquer à cause de la clim quoi. Hop 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 hop. Wow. Mip. Voilà. Impeccable. Et il en reste deux derniers mais ça devrait être moins compliqué quand même vu qu'ils sont un petit peu tout seuls. File-moi ma batterie. Battery. Tout 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 tout. Est-ce que j'ai pris le marteau? J'ai pris le marteau. Tac. Ça c'est cadeau. Regarde comment il est posé là, il est pas tranquille la tête. Voilà, ça c'est la carte d'accès. C'est l'autre qui avait le passe-partout pour le coffre. Il est rapide leur climatiseur. Mais mec, c'est du bon matos, c'est pas non plus, c'est pas une banque de merde. Hein. Ils se font pas emmerder par le candidaton ces gens-là. Hein. Est-ce que tu penses qu'ils verront si jamais je lui pète la gueule à lui? Eh hey, connard. Oh mec, oh putain. Hop. Micheline, t'as pas vu hein? T'as pas vu quelque chose de chelou? Ah non. Mais quoi donc? Ok. Ça c'est bon, la carte, on est tranquille. On nous sent pouvoir prendre la dague sacrificielle. Et attention, c'est que la première phase. C'est que la première phase du braquage, il y a autre chose après. Hein. Ça, donc ça, on a désactivé, c'est bon. Alors... On va offrir. Tu as tué mon frère Ashta. Tu as mouru. J'ai pas envie de faire le truc de l'alarme parce que j'ai pas envie de foirer maintenant, mec. J'avoue tout de suite. C'est assez galère comme ça. Ça demande que beaucoup d'étoiles soient alignées. On va le faire. Je suis désolé, je vais le faire à la pute. Voilà, pas le choix. Alors, dague sacrificielle, ça c'est bon. Maintenant, on va retourner là-bas. On peut pas passer par là, là, c'est blindé de monde, on va se faire niquer. Pourquoi tu fous Artist Boy Ah dégueu, j'ai failli me vomir. Est-ce que tu penses? Non mais évidemment, non mais ça. Ça j'ai envie de dire, celui-là il est donné quoi. Celui-là il est donné.
Viens voir, viens voir, viens voir, viens voir. Ouais, t'as entendu un truc, tu vas aller investiguer, va voir, va voir, va voir. Franchement, le travail, il est mieux fait quand il est fait par soi-même. Voilà. Oh, 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 le con. Va récupérer, va récupérer, va récupérer. Va. Oh non, you don't. Chut, 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 chut. Chut. Voilà. C'est rien. C'est pas grave. Elle est où, ma dague? Elle est là. C'est rien, voilà. Oh. Ok, ça c'est impec. Et du coup, le deuxième à buter avec la dague sacrificielle, c'est le mec qui traîne avec la meuf en bas. Donc ça va être relativement tranquille. Il manque le deuxième agent ici, donc je vais pouvoir passer par là. La putain de flaque. Ah bah, c'est une dague sacrificielle, c'est fait pour poteau, hein. Ça fait... That's a lot of damage. Flex tape. Ok. On va jeter ça tout là-bas. Pas se faire emmerder. Personne n'a entendu? Personne n'a entendu. Ok, c'est impeccable. Ouh, je suis en full panique, je vais vous admettre. On va pouvoir prendre cette batterie. Hop. Voilà. Pim, 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 pim. Voilà, impeccable. On active la photocopie. Voilà. Il va venir l'éteindre. Je vais pouvoir lui chlasser sa mère, les grands morts. Normalement, il va bien se retourner en plus. Oh, yes. Oh. Oh, c'est un cadeau. Oh, ce n'est rien de plus qu'un cadeau. Oh, t'assistes, coûte. T'assistes, coûte. T'assistes, coûte. Voilà, il a éteint la photocopieuse, c'est bon. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Hop. Elle est toujours sur sa flaque. Voilà, ah. Ouh, putain. Eh ben ça, mon gars, elle était ricurac, je trouve. Hein. Vite éteint. Ouais, c'est bon, t'inquiète. Je me disais aussi, elle allait peut-être la réactiver. Enfin, aller la réactiver elle-même, enfin, la déterminer elle-même. Je suis en train d'autismer, mais... Toi, tu avances pas, s'il te plaît. Il faut juste que lui se tienne tranquille. Vous voyez rien, vous avez rien vu du tout. L'autre garde, ah si, il est là, merde, putain, je crois qu'il s'était barré. Je sais pas par quel miracle il se serait barré, mais... Hop. Gueule. Ah. Allez. Oh. Oh, le stress maximum. Je pense qu'on va regarder juste les objectifs de la troisième étape d'escalation. Mais je pense pas qu'on va la faire, parce que ça va prendre du temps, ça va être encore plus galère, mec. À moins qu'il faille buter les mecs dans le bureau au début. Ça, je peux le faire. Franchement... Ouais, ça, c'est du master shooter, ça. Ok, alors c'est quoi la prochaine étape? J'avais été sûr. Avec une explosion... Attends, c'est lesquels? Est-ce que c'est les deux qui parlent dans le... merde. Dans le parking. Est-ce que c'est pas les deux qui parlent dans le parking? Et du coup, le mec qui est déguisé en lapin, il voulait quoi? Je crois que c'est eux, ouais, c'est eux. Ah merde, putain, je viens de me faire voir par la caméra. déjà, ça part mal. Je vais essayer vite fait, mais ça va pas... Je pense pas que je la finirai. Niveau escalation chaude, il y a celle à Miami où faut utiliser un shotgun sans silencieux, sans que personne trouve le cadavre, sans que tu te fasses pote, sans que tu changes de déguisement. Et B... Putain, celle à Miami, je crois que j'ai fait juste celle où il faut assommer des mecs à coups de canette. Mais sinon, j'en ai pas fait l'autre. Putain, avec une explosion? Comment est-ce que je peux faire une explosion ici? Qu'est-ce que c'est que ces pataquès? Ça va être galérium un peu, ça, non? Avec une explosion, on a pas en plus de bouteilles de propane ou de trucs comme ça ici. À moins que ça fasse spawn des grenades ici? Ça m'étonnerait, hein. Ça m'étonnerait fort, mais bon. On peut toujours espérer, hein. On va voir. Ah, mais attends, il y a un... Ouais, mais je peux pas la faire péter à la main, ça. Oh, peut-être que je sais. Attends, peut-être que je sais. On va tester un truc. Je pense que peut-être que je sais que peut-être. Ok. Hop. Hop. Hop là. Voilà. Ah
mais ça les tue pas. Ça les tue pas, ça. Ça les... Je crois pas que ça puisse les buter. Ou alors, il faut le faire plus proche. Là, j'avoue, j'étais un peu loin et j'ai tiré un peu n'importe comment. Master Shooter, quel connard. Peut-être qu'il faut que je le fasse de plus proche et ça peut peut-être les buter, mais je suis pas certain. C'est propane obligé. Putain, propane obligé. Propane obligé. Attends, j'ai oublié mon marteau en plus. Quel connard. Attends, tant pis. Merde, je peux pas prendre ça. Vite. Mine marteaute. Cours. Non. Cours. Voilà. Non, repars pas. S'il te plaît, reste là. Donc, voilà, nique ta mère. Ouais, ok. Propane ou grenade. Le truc, c'est que là-bas, ils ont des grenades, mais c'est que des grenades flash. Et j'ai pas encore croisé de bouteille de propane. Peut-être qu'il y en a en haut. Au niveau de là où j'ai éclaté le premier gars avec la dague. Peut-être qu'il y a une bouteille de propane. Peut-être. Je suis pas certain. On va aller voir. Je vais quand même essayer de la finir, cette Escalation Mission ce soir. Parce que c'est pas aussi compliqué que ce que je le pensais, donc c'est peut-être possible. Impeccable. Est-ce que si j'attends un petit peu, le mec sur sa chaise, il va bouger son cul pour venir voir c'est quoi le problème avec la clim, tu crois? Oh, pire, c'est pas vraiment franchement nécessaire. Donc, ouh! Oh putain, je croyais que ça s'était planté dans sa tête! Ok. Glouk! La 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 la! Non mais je pense qu'on le fera une prochaine fois. Je pense qu'on la fera une prochaine fois. Je vais juste essayer d'aller voir en haut s'il y a la bouteille de propane. Et comme ça la prochaine fois on saura ce qu'il faut faire, d'accord? Ouais, et bonne nuit Mirej. Merci beaucoup d'être passé poto hein. Comme d'habitude, c'est un énorme plaisir. Partagé, je sais. Peut-être qu'ils ont des bouteilles de propane ici. Tu vois, ici vu que c'est une espèce de truc... avec du stock et tout, je sais pas. Là-bas, c'en est une, non? Yes, putain, je savais. Ah, mais je peux pas redescendre. Ah, malaise. À moins que... Ouais, non, je pense qu'il y a moyen. Non, si, ça va se faire. Ça va se faire. Je pense que... Bon, allez, je la fais maintenant, c'est bon. Au diable, les préconçus, je vais faire cette mission d'escalation maintenant. Tant pis. On va prendre notre temps, c'est pas grave, hein, il est que minuit 18, c'est bon, on va pas non plus s'emmerder, non? Qu'est-ce que c'est que ces emmerdes? Par contre, il va falloir que je prenne ça tout de suite, je pense. À moins que la carte d'accès me donne accès aux portes, là. On va voir. You can do it, boy! Give me a big ugly G, boy! Ok, allez bien. Willem Dafoe. Ah, qu'est-ce que j'aime Hitman 2, mec. Qu'est-ce que j'aime ce jeu, putain. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont pouvoir foutre niveau contenu supplémentaire avec Hitman 3 ou avec ce qui va arriver après. Mais je suis vraiment, vraiment fan de ce jeu. Il y a plein de trucs à découvrir. Il y a plein de trucs que j'ignorais, moi. Il y a plein de missions. Ils rajoutent plein de contenu, des missions supplémentaires. C'est un truc de malade. Et je pense que le jeu, il mérite vraiment beaucoup, beaucoup d'attention, quoi. J'espère en tout cas que le fait que j'y joue... Oh, c'est pas très beau, ça. Ouh, c'est pas très beau le ruban qui passe à travers mon cul. J'espère en tout cas que me voir y jouer, ça vous donne envie de vous-même d'y jouer ou de l'acheter. Je sais que B44 l'a acheté. Grâce à moi. Et ça me fait très très plaisir. Parce qu'en plus, j'ai beaucoup d'empathie pour IO Interactive. Les devs. Qui sont, je trouve, des gars super sympas. Je crois qu'ils sont du Danemark, si je me gourre pas. Ou de Prague. Non, du Danemark, je crois. Et ils sont vraiment cool. Je pense qu'ils méritent beaucoup. Moi aussi. Ah bah c'est cool, Poléon, là. Ça me plaît, ça. Je suis un peu un influenceur, en fait. Ouais, toi, s'il te plaît, tu te couches, parce que ça m'énerve. Hop. Mon marteau, voilà. Mon Sophie. Sophie Marteau. Je peux le claquos, lui, du coup, maintenant, ou quoi, là? Pourquoi elle a vu l'autre connasse? Je crois pas. On va réessayer. Putain, mais... Qui c'est qui me voit? C'est qui? Tout à l'heure, il m'a pas vu, l'autre con, là. T'es qui, toi, connard? Ah ouais, t'as de la chance. Ah, je suis immortel. C'est dommage, hein. Ça te saoule, ça, hein.
Allez, con. Allez, goodbye. Grenade. Bon, bah merde. Non, mais je crois que je peux même pas ouvrir la porte du coffre s'il y a l'autre connard au bout, là. Putain, mais ça marchait bien tout à l'heure. Non, moi, je pense que je vais juste cacher le troisième cadavre. Et puis, je vais faire comme ça, c'est pas grave, hein. Ça va juste être un peu plus long, mais écoute. Eh, au pire, si on sait ce qu'on fout, on s'en fout que ce soit long, hein. Tac. Ça m'a coûté une couille. Ouais, du coup, le jeu est un peu cher. Si t'achètes en gold le contenu du 1, le contenu du 2, la season pass et mon cul sur la commode, j'avoue que ça commence à coûter un petit peu cher. Mais ça vaut le coup quand même, Poléon, tu trouves pas? La télé. Oui, la télé, mais la télé, ça va pas attirer le troisième gars dehors. Mon petit Martin 59. Je vais attirer le troisième. De toute façon, je pense que le troisième, il vient tout seul au bout d'un moment, donc ça ira. Le deuxième, déjà, il va venir, là. Ce matin, un lapin m'a fracturé la colonne vertébrale avec un marteau. Sur Instant Gaming, la gold, elle est à 24 euros. Ah, dis donc, c'est pas cher, ça. 24 euros, putain, ça, c'est une affaire. Ouh, eh ben oui, Will Smith, mais bon, écoute, c'est pas le moment, hein. Allez, casse-toi. Tac, tu vas dans le bac de linge sale, de linge propre. Je sais pas, ça dépend du niveau de racisme. Tac, j'ai que 50 heures juste sur la map de Paris et Lille. Bah oui, ah, bien sûr, c'est tout le temps ça, mec. Ah oui, lui, en fait, il est en train de regarder les vidéos de surveillance et du coup, elle pète. Donc il se dit, bah qu'est-ce que c'est que ces potes à quoi, je comprends pas. Et il va venir doucement. Et il va pas me voir. Target. Voilà, impeccable. Ça, c'est bon. Donc ça, c'est ok. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je prends le marteau là. Je peux prendre. Il faudra un deuxième truc qui se lance en fait. File-moi ça. Non, je peux pas déverrouiller le placard. Attends, avant ça, je suis en train de me confondre en plein de trucs différents là. Je vais essayer de faire du mieux possible. Voilà. Foutre ça là. Et foutre le gun là. Hop. Regarde ce que je vais faire. Hop. je vais faire une petite ligne de gun. Peut-être que ça va l'éloigner. Attends. Attends. Je vais faire ça, regarde. Hop. La télé attire tout le monde, elle est OP, c'est vrai? Oh, ils l'ont, oui. Ah, c'est niqué, c'est génial. Impeccable, merci beaucoup, Martin. Et du coup, il suit les armes une par une. Vas-y, ramasse-la. Hey. Non, non, pas les guns, je n'en ai cure. Ah bah si, remarque, je peux prendre un Bartoli parce qu'il va falloir faire péter un truc tout à l'heure. Donc la carte, je l'ai. Donc on va pouvoir aller prendre le couteau sacrificiel. Pim 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 pim. Et je trouve que le petit contenu comme ça, alors l'émission, j'avoue, l'émission d'escalation, enfin d'escalade, je suis pas forcément trop fan à chaque fois. C'est sympa, hein, mais bon, je trouve que c'est pas non plus du contenu qui augmente de dizaines d'heures, tu vois. Mais quand ils rajoutent des petites campagnes comme celle qu'on a fait, la Whittleton Creek, ou alors la campagne du Patient Zéro, je suis vraiment fan, je trouve que c'est génial. Alors ce qu'on va faire, il y aurait pas, tu sais quoi, on va prendre les œufs de Fabergé, on va pouvoir les balancer en boucle. ça nous fera des leurres super chers. Ça on s'en fout, ici rien d'autre, il y a de l'or. Ça c'est quoi? C'est un cutter. Une pièce commémorative, ça peut être cool aussi. C'est quoi ça? Un petit violine. Ah. Il est en fromage ou quoi votre violon? C'est quoi le délire? Ok. Oh, par contre, il y a un truc, c'est que je suis vraiment, vraiment, vraiment pas à l'aise avec l'idée de devoir shooter une bouteille de propane à côté des mecs. Là, je sens que ça va partir en banane, ça. Je sens que ça va pas le faire. Alors, tu sais quoi? Je pense qu'on va le faire tout de suite. C'est ce que je voulais voir. Est-ce que tu penses que je peux utiliser... On va pas prendre de risque. Cette escalade est une des rares cool. Mais... elles sont toutes plus ou moins pareilles, je dirais, hein. Y en a pas qui sont moins cool que d'autres. Je trouve que toutes les escalades, elles sont un peu pareilles, elles sont un petit peu chiantes, mais pas assez pour devenir vraiment relou, tu vois. Est-ce que tu penses
Ouais, c'est bon, j'ai la carte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement faire le truc du propane, parce que j'ai vraiment pas confiance en mes capacités de tir, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. On va prendre la bouteille de propane, on va directement faire péter ça en bas et on va continuer la quête après, d'accord? Hop là. Des leurs super chers et des blagues sur Pac à faire. Bah oui, en plus. Ah, c'est marrant ce que tu dis, Apoc. Mais ça se trouve, c'est pour ça que les braqueurs, ils sont habillés comme ça aussi. Hein. Alors, attention. Eh ben. Impeccable, ça. Ça, c'est cool. Ça, c'est pas mal. Non, c'est bon. Je suis bien. J'ai bien la dague de cérémonie. Yes, donc je vais pouvoir prendre une pièce commémorative, ouvrir cette porte, lancer cette pièce commémorative. L'autre il va faire « Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit ?»« Ah, je vais aller investiguer en tournant bien mon dos au reste du couloir. » Va voir, s'il te plaît. Va voir, par contre. Va voir, je t'en supplie. Non, ça t'intéresse de ouf, ça t'intéresse de... Regarde. Il y a une pièce là, mec. Une pièce gratos, gars. Va voir. Voilà. Bon toutou. Prank. Oh la vache, le sang sur... Oh la vache, les gouttes de sang. J'avais pas vu que ça faisait une projection de sang comme ça quand tu égorgeais quelqu'un. C'est super stylé. Vas-y, je vais reprendre ma pièce. Je vais pas me faire enculer, moi. Vas-y, moi, une pièce. Voilà. Alors, ma petite batterie. Battery. Oh, merde. Je vais attendre que Fonzi... Oh putain, il y a deux gardes devant. Oh les enculés. Oh putain, ils ont mis deux gardes. Oh non. Mec, il y a trois gardes. Oh là, c'est pas bon. Oh, das ist nicht gut. Oh putain, ça va être chaud du cul, c'est pas grave. On va se démerder. On trouvera un moyen. Life finds a way, ok. Il va nous falloir... putain, il va falloir qu'on trouve un autre passage pour se barrer. C'est pas grave. Hop. Voilà. Hop, ça c'est pareil comme d'habitude. J'ai eu peur, je crois que j'avais oublié la dague de cérémonie en haut. J'ai failli me pencher comme ça, me retirer des côtes et m'arracher la bite avec les dents. À l'africaine, comme on dit, mais écoute. C'est bon, finalement, je me suis bien rattrapé. Voilà, impeccable. Exact. Off you go. Bisous, Yetso. Et bonne nuit. Bah non, remarque, il fait pas nuit chez toi. Il doit être 4h. Non, il doit être 6h. 6h, peut-être. Non, moins, je sais pas, et quelque part je m'en fous aussi, donc, salut. Bisous. Alors, voyons voir, c'est bien ça, la petite flaque, hop, bzip, voilà. Bon, et bah ça c'est fait, maintenant il faut que je trouve un moyen de me barrer. C'est quoi ça là-bas, cette sortie là? Et bah il y a la sortie du garage. Je vais peut-être me barrer par le garage, moi. C'est celle-là? Ça va me faire passer par pas mal de gens, par contre, je crois. Peut-être qu'ils vont pas me voir. Merde, mais j'ai pas la clé. Il faut récupérer les clés. Elles sont où, ces putains de clés? Martin, elles sont où, ces putains de clés? Martin, réponds-moi, Martin. Martin, déconne pas. Elles sont où, ces putains de clés? Près du gars qui dort. Quoi, là? Mais non. Du gars qui dort? Y'a un mec qui dort? Oh là. C'est rien. Vous voyez pas. Ah putain, y'en a un qui... Oh merde. Oui. Oh putain. Oh, c'est la merde. Oh là là là. Je me chie dessus, Martin. Martin, à l'aide. Je me chie dessus, Martin. On y est presque. S'il n'y a pas un crash maintenant, faut pas que ça crache. Et boum. Oh, merci, Martin.
Tu m'as sauvé la life, Martin. Ah, c'était tant d'axes de ouf. Je sais pas si je vais gagner beaucoup de niveaux, par contre, pour New York, vu que ouais, c'était pas vraiment une... c'est pas vraiment une sinécure. Yes. Escalade silencieuse, dissection d'Alton. Eh ben écoute, 4000 XP, c'est pas rien non plus. Et ben voilà, est-ce que j'ai gagné quelque chose? Étage des banquiers et mine à déclenchement laser de l'ICA. Et bah écoute, impeccable. Bon, et ben voilà, j'espère que ça vous a plu, ces petits tours de mission d'escalation et de patience zéro. J'espère que ça vous a encore convaincu d'acheter ce jeu. Acheter ce jeu, parce que j'ai personne dans ma liste d'amis, je peux me comparer à personne là. Et y a pas d'ailleurs... C'est quoi mode de jeu? Ghost mode? Ah oui, ça c'est le jeu en multi, on essaiera de vous le montrer aussi une autre fois. Carrière... Profil de joueur, c'est quoi? Niveau 148. Statistique. Progrès total 33%. Putain, j'ai fait que 33% du jeu, mais mec, c'est pas possible. Et Hitman 1, du coup, je l'ai quasiment pas fait parce que ça m'a pas pris les saves de Hitman 1 de base. Miami, parole. Je sais plus ce que c'est, mais je crois que je l'ai même pas fait. Ah si, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, je crois. Oh, je sais plus. On se fera un ghost mode un jour, bah carrément ouais. On voulait en faire un avec Spider, mais c'était à l'époque où il avait encore un PC de merde. Et ah oui, il y a aussi la plume et l'épée au port de Hantu. J'ai quasiment pas fait celui-là, le port de Hantu. Si, j'ai bien avancé dans celui-là. Mais je vous montrerai d'autres trucs encore sur Hitman 2. On n'a pas encore fini avec ce putain de jeu, vous inquiétez pas. Comment on peut... Il n'y a pas du tout de leaderboard. Je sais pas si on peut voir les leaderboards en fait. Ouais, les cibles fugitives, j'en ai fait quasiment aucune en vrai. C'est dommage parce que c'est celle qui donne des habits en plus, des habits cool. C'est dommage, faut pas qu'on la loupe celle-là, on la fera peut-être un autre moment. Bref, je vous fais de gros bisous les gars, je vous dis à plus tard et j'espère que ça vous a plu encore une fois. Et ouais, à plus, hein. Je sais pas c'est quand la prochaine fois que je stream, mais on verra. Oubliez pas d'aller sur Spreadshirt, il y a le t-shirt spécial de l'horrible octobre qui arrive, l'horrible octobre qui va commencer le jeudi 24. Donc, et qui se terminera le jeudi 31, donc voilà, n'hésitez pas. On se retrouve là-bas, de toute façon, j'en reparlerai. Donc voilà, bisous les gars, ciao!